brody. Nalingi I canal télé. Natala I canal télé brody. Je me refuse de comprendre comment on peut avoir Kagame juste en face de nous, juste maintenant là-bas. Parle de mécanismes qu'on ne comprend pas. C'est là, non, je cherche vraiment à comprendre pourquoi Sassou peut faire ça. Non, mais il faut aussi comprendre, si vous analysez, d'après les informations que nous avons reçues, donc du côté de Bandundu, comment on appelle aujourd'hui, je crois qu'il y a un autre terme qu'on appelle Maïndombe, il y a, donc on a découvert aussi des carrés miniers, des diamants et d'uranium. Voilà. Alors, nous, si nous poussons les analystes très loin, nous disons, ah, peut-être le président Sassou s'est dit, ah, si moi j'étais là-bas, j'y serais vraiment dans les... Ce sont des... Nous sommes de peuples, nous parlons la même langue, parfois... Pratiquement la même culture. Oui. Alors, les Bakongo, de là sont les Bakongo d'ici, les Bangala d'ici oui. sont aussi comme les Bangala de là, donc c'est compliqué. Oui. Alors il s'est dit non. Bon, en tout cas, moi je vais aussi me retrouver dans ces nouveaux gisements et avoir ma part. Quelqu'un me dit c'est simple. Invite moi chez toi et moi je fais le travail. Et voilà. Sera là. Personne ne dira moi, ok, comment on va faire? C'est la terre. Fais comme si elle est d'accord, moi je vais venir prendre des terres où je cultive. Moi, je pousse cette analyse-là. Parce que c'est à peine. Vous vous rappelez, il y a eu, quand j'ai découvert cela, lorsqu'on a parlé de la mort, je crois, dans une rivière ou quelque chose là, à un nombre de certains députés provinciaux. Et après, quand on a fait des recherches, on a découvert que là-bas, il y avait un gisement de diamants et d'autres minéraux. Intéressant. Et d'un coup, on se réveille, on voit que c'est le Rwanda qui quitte de loin et s'intéresse à venir acheter des terres pour cultiver au Congo-Brazza. Non, ça cache. Donc, vous voulez donc dire ici que ces accords ne sont pas innocents. Ne sont pas qu'un problème de terre, d'agriculture, que le Rwanda veut avoir des terres pour faire de l'agriculture. Tout observateur averti comprendra que ce ne sont pas des accords innocents. Alors, si ces accords ne sont pas innocents, comment voyez-vous, quand un voisin vous signe un accord comme ça, avec votre ennemi juré, quelle est selon vous serait la réaction de Kinshasa? Parce que vous avez démontré le danger, et là vous avez seulement démontré le danger un peu économique, que Sassou aussi commence à leurrer les richesses du Congo. Comment il va pénétrer? Il veut que un trouble fait s'y mêle comme ça dans ce brouhaha, dans ce désordre-là, que les deux profitent et aient la même mise sur certaines richesses qui sont là-bas. Ça, c'était que l'aspect économique. Mais certainement qu'il y a aussi des aspects purement politiques, coup d'État, un coup de force. On traverse Dans deux minutes, on a traversé l'autre côté de Maluku de Kinshasa et l'affaire est finie. Notre aéroport de Njili est juste là à côté. Ouais. Comment on peut permettre un ennemi juré qui peut avoir la possibilité de traverser et de vous atteindre et de contrôler votre aéroport? C'est pratiquement la seule voie de sortie du Congo. C'est notre le plus grand aéroport et à tout moment, si les forces de Kagame pouvaient traverser seulement, ils prenaient l'aéroport. La première chose, ils prennent l'aéroport, vous êtes neutralisé. Donc, c'est pourquoi je vous dis, quelle serait selon vous, comme ça d'emblée, sans même réfléchir, la réaction de Kinshasa? Je veux dire donc de M. Tshisekedi Tshilombo. La réaction de Kinshasa ou des pouvoirs du président Félix serait, comme nous avons toujours observé, premièrement, demande d'explication au travers de l'ambassadeur du Congo chez nous pour qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça, c'est au niveau diplomatique. C'est reconnu que quand vous n'êtes pas d'accord avec
avec votre partenaire ou un pays ami, mais ce pays ami a fait quelque chose qui vous a tiqué, la première chose, demande explication. Vous êtes demande explication. On... Il dit, mais non. Oui, oui. On est, dit que non, on est soupçon de rien, mais dites-nous un peu. Oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Vous ignorez que nous, on est en conflit avec le Rwanda pour que vous appeliez le même Rwanda partager pratiquement la capitale avec nous? Oui. Donc, nous notons que cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. J'ai oui entendu que certains disent que non, le Congo Brazza est libre de signer des accords, que de quoi se mêle le gouverneur de Kinshasa dans une affaire comme ça. Non, ça c'est l'analyse de Kinshasa qui compte. C'est quand Kinshasa estime que ce qui se fait maintenant à Brazzaville aura des implications contre moi. C'est une menace contre moi. Oui. C'est Kinshasa qui apprécie et qui tape du poing sur la table, interpelle l'ambassadeur. Oui. Cela n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui est petit frère du grand frère Sassou ou comment? Non, non, mais même si on est petit frère et grand frère, quand on est président, mais on défend une nation, mais il a un problème avec les Congolais. Parce que si les gens-là de Maïndombe se sentaient à l'insécurité, et ils commencent maintenant peut-être à collaborer avec les ennemis de la République. Nous aurons une autre rébellion, même si ce n'est même pas une agression, mais une rébellion des gens qui se disent « Ok, peut-être attaquons des gens qui ne savent pas. » Moi, je crois très bien que le président, c'est un dossier très capital. Il s'agit de l'insécurité des territoires nationaux. Et il devrait ne fisquer, nous rassurer. Les garanties, c'est à nous les Congolais que le président devait donner pour dire que non, j'ai entendu, bon, ce n'est pas que je n'ai pas allé là-bas, mais j'ai fait venir pour qu'on me donne l'explication. En plus de cela, demander que nos services entrent. Oui, nous avons l'expérience avec le Rwanda et nous savons ce que le Rwanda veut du Congo. La moindre chose, c'est de... Et même si cela pouvait faire en sorte que les relations entre Sassou et Tshisekedi entrent dans le froid, mais nous, on s'en fout, nous, parce que lui, il est garant, il est là pour protéger les Congolais. Imaginez-vous que le Rwanda est réellement des visées un peu antagonistes pendant sa présence là-bas à Brazzaville pour attaquer le Congo. Ça ne sera pas peut-être Tshisekedi sera protégé. Ça sera des Congolais dont le sang va couler. Oui. Donc ça signifie que lui doit prévenir des choses pour être sûr que ses concitoyens ne vont, leur vie n'est pas en danger et que ce qui se fait juste à côté là ne pourra jamais porter préjudice à son pays. C'est là où, en tout cas, nous ne sommes pas ici pour nous attaquer au président Tshisekedi, mais nous constatons que les procédures en la matière n'ont certainement pas été respectées. Non seulement n'ont pas été respectés, mais c'est que nous constatons que nous sommes maintenant dans un régime de passivité. Ah, vous avez lâché les mots. Vous avez lâché les mots. Donc nous sommes maintenant passifs. Tout. Mais nous attendons seulement lorsque nous serons envahis maintenant pour crier au secours. Commencer à dire Conseil de sécurité, Conseil de sécurité. Mais il faut attaquer les choses en amont. Quand vous sentez la chose venir, attaquer, c'est là qu'il faut saisir. Parce que nous voulons que les Kagame, les gens qui viendront pour faire l'agriculture là-bas, ça sera des commandos, ça sera des militaires qui vont venir s'installer en face de Kinshasa. Et puis on attend que maintenant des gens armés attaquent Kinshasa pour conclure au scandale. Oh, Conseil de sécurité, nous avons attrapé un militaire rwandais chez nous, à Maluku. Mais quand il s'est implanté, il fallait agir comme des gens qui ont une bonne qui connaissent comment gérer un pays, je crois. Mais si cette zone là, c'est ce que je suis en train de pointer, c'est là où se trouve Kwamutu. Mais Kwamutu, déjà, on nous parle déjà de cette présence. Même le président lui-même a reconnu France 24. Il ne faut pas que nous soyons toujours passifs, entendre. C'est ce que nous rétorque tous ces pays qui nous menacent. Vous plaignissez, c'est les masses, c'est pas seulement des critiques que nous sommes attaqués. C'est-à-dire, défendez-vous.
Bon, même si on ne se défend pas, mais même si c'est pas diplomatique, on doit avancer pour suivre les protocoles. Les protocoles voulaient que quand on a des soupçons sur la frontière, c'est reconnu ici les normes internationales. Quand on a des préoccupations sur nos frontières, que non, nous voulons savoir. Ce n'est pas que non, là, tu as violé, que non. Ah, mon frère. Quand il dit, oh non, ça intéresse pas, c'est mon frère. Il dit, ah, bon, là, maintenant, je trouve qu'il y a des choses qui sont on a dit ici au départ que si vraiment quelqu'un qu'on pouvait juger qu'il était vraiment ami à notre président, c'était Sassou Nguesso. Oui. Mais remarquez, Sassou Nguesso, depuis même qu'on est en guerre avec le Rwanda, un ami pouvait même nous donner des militaires. Il dit des. Oui. Ou même prendre position. Est-ce qu'on a déjà entendu Sassou Nguesso prendre position sur les agressions rwandaises au Congo et tout ça? Même quand il a appelé Museveni à Oyo là-bas, Museveni, il était passif. C'est comme si, bon, il dit, bon, je te laisse avec ton histoire. Hein. Je t'ai aidé à voir Museveni ici et parle avec lui. Hein. Mais on n'a jamais vu Sassou Nguesso, en vrai ami, venir aider président Tshisekedi dans le problème grave qu'il a avec le Rwanda, par exemple. Il pouvait même arriver loin, jusqu'à nous donner des militaires et dire allez combattre. N'oublions pas que Sassou Nguesso, c'est un chef militaire, c'est un stratège militaire. Il pouvait bien nous aider sur le plan militaire. Mais Sassou Nguesso ne sait jamais. Et puis, il n'a même jamais pris position en faveur du Congo dans cette affaire-là. Donc, ça signifie que Sassou Nguesso doit être un homme dangereux juste à nos côtés. Parce que moi, je peux même peut-être affirmer ici que peut-être Sassou a été plus ami à Mobutu, peut-être même est ami plus ami à Kabila qu'à Fatshi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois, quand vous l'appelez qu'il est l'ami du Congo, non, moi, je ne concède pas cela. Okay. Sassou n'est pas l'ami du Congo. Peut-être le Congo Brazza qui est l'ami du Congo. Les deux peuples sont frères, nous sommes amis. Mais alors, mais lui-même, restons dans la dimension de Sassou. Pourquoi vous dites que Sassou alors n'est pas ami du Congo? Essayez un peu d'élaborer là-dedans. Oui. Ouais. On sait que les deux peuples. Moi, j'en viens. Nous savons que les deux peuples, nous nous aimons. Les Congolais de Brazza, les Congolais de Kinshasa, nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple, nous nous aimons. Oui. Bon, alors, vous avez épinglé quelque chose que, oui, les deux peuples sont amis, sont frères, mais Sassou Nguesso n'est pas l'ami du Congo. Alors, élaborez un peu là. Mon analyse du régime de Denis Sassou Nguesso avec le Congo, même le temps de Mobutu, vous dites qu'il était ami. Non, c'était des petits qui craignaient Mobutu parce que personne ne pouvait parler au maréchal. Ouais. Vous vous rappellerez toujours, il y a eu toujours un peu de contentieux, même du temps de Mobutu, avec l'histoire de football, avec l'histoire. Où les Congolais disaient fâchés, on commençait à faire de. Alors Mobutu calmait, dit bon, calmer, c'est ça. Goma Zairoati Kanyoka. Goma, au-delà de c'est pas le régime. Oui, c'est pas le régime de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Alors personne. Si les pays que je voyais un peu proches, en termes. Même du temps de maréchal, et puis que le Gabon, quand vous voyez les gens tels que. Omar Bongo à l'époque. Omar Bongo, et les autres là s'opposaient, même quand Laurent Désiré Kabila a pris les armes, il dit non, ça c'est humilié. Quand même. Ah, le maréchal, ouais. Maréchal, ça, ils l'ont soutenu et tout ça. Ah. Bonsoir, chers téléspectateurs, nous voici. Nous sommes revenus dans le cadre de cette grande émission que vous avez désormais pris l'habitude de suivre un peu, parfois, en tout cas chaque vendredi. Nous n'avons pas été le vendredi passé. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler actualité politique et surtout débattre, discuter, émettre nos avis personnels, faire parler le cœur, comme nous avons dit. Bien sûr, la raison est toujours au rendez-vous. Et aujourd'hui, comme vous avez vu déjà sur le titre, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler politique. Actualité oblige. Le sujet du jour que nous avons choisi, c'est le fameux protocole d'accord
ou accord que le Congo-Brazzaville venait de signer avec le Rwanda pour accorder au Rwanda des portions de terre, soi-disant pour des raisons agricoles. En tant qu'analyste, nous avons pensé que nous devons réfléchir sur cet accord-là. Et nous avons pensé que cet accord ne devrait pas se limiter tout simplement à ce qui a été dit. Il y a certainement beaucoup de non-dits dans cet accord. C'est pourquoi nous avons titré cette émission Sassou Nguesso, poignard de Fatshi dans le dos. D'abord, de 1, Sassou Nguesso, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons tous constaté, tous les Congolais ont constaté que si Félix Tshisekedi a un véritable ami parmi les chefs d'État du monde, le véritable ami, c'est Sassou Nguesso. Parce que tout le monde le sait que notre président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas maintenant qu'il a pactisé, qu'il prend le temps de rencontrer Sassou Nguesso. Il a toujours été recommandé, même avant qu'il soit président, par son défunt le père Étienne Tshisekedi à Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso connaissait déjà Félix Tshisekedi avant qu'il ne soit au pouvoir. C'est pourquoi nous disons que s'il y a un chef d'État qui a connu Félix Tshisekedi et qui a même créé des relations avant que Félix Tshisekedi ne soit président, c'est bel et bien Sassou Nguesso. C'est ici où nous disons que c'est le même Sassou Nguesso qui est réputé être le véritable ami proche du président Tshisekedi qui se permet de signer des accords avec un ennemi du Congo. J'ai cité M. Kagame. Je ne voudrais pas faire cette émission seul comme d'habitude parce que plein feu n'a pas de sens si je n'ai pas quelqu'un à côté de moi pour discuter de cette problématique. Je vais là, je vous présente, je ne vous présente plus. Cet homme qui est en face de vous là, vous le connaissez, c'est M. Gabi Kitoko, qui est le consultant maison de iCanal Télé. Il est avec nous, il a des choses dans son ventre qu'il voudrait bien vous livrer. Et il a des analyses, il a des commentaires et même des avis personnels à vous émettre sur le sujet du jour. Bonsoir. Monsieur Gabi Kitoko, d'abord. Bonsoir, Papa Munda. Heureux de se retrouver avec les téléspectateurs de iCanal Télé. Et comment va la santé? Tout va bien chez vous là-bas? Oh, ben, nous sommes là. C'est plus froid, donc nous sommes à l'Angleterre. Ah, ouais. C'est ça le climat d'ici. Non, à part ça, c'est bien. Très bien, très bien. Ça commence, notre émission commence. J'annonçais aux téléspectateurs, donc je plantais les décors aux téléspectateurs de iCanal Télé pour qu'ils sachent que nous sommes en train de chercher à analyser les accords que Sassou Nguesso a signés avec Kagame pour accorder au Rwanda des terres juste en face de notre capitale. Et je dois rappeler aux téléspectateurs de iCanal Télé que Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches au monde. Les plus proches au monde. Les capitales. Il y a des villes qui sont proches, qui font frontière. Mais les capitales les plus proches, c'est Brazzaville et Kinshasa. Et M. Kagame qui préfère sauter sur l'occasion pour venir juste à côté. Je ne commence pas encore le débat maintenant. Et je ne sais pas si vous avez un mot préliminaire en guise d'introduction, parce que j'ai annoncé le sujet, nous disons ici, en tout cas c'est le sujet, c'est le titre qui nous est venu, que pour nous, ici, dans cette émission aujourd'hui, plein feu, Sassou Nguesso a bel et bien poignardé
Félix Tshisekedi dans le dos. Qu'est-ce que vous en pensez en guise d'ouverture de cette émission? Oui, moi je crois que le titre nous annonce ce qui se passe. C'est voir les choix de la location de cette terre qu'on a accordée aux Rwandais dans les contrats. Cette terre, c'est à Maluku, de l'autre côté du Congo-Brazzaville, donc qui est en face de notre Maluku. Et si vous voulez comprendre là où vient le poignard, c'est que déjà à Kwamutu, qui est proche de Maluku, c'est là où il y a du fumée du côté de l'ouest du Congo. Et nous nous disons, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce choix-là du Congo-Brazzaville a octroyé au Rwandais cette terre qui est proche de notre capitale? De notre capitale. Et en plus de cela, on sent du fumée venir de ce coin-là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. En tout cas, je sens des interrogations. Je sais que vous répondrez à toutes ces questions. Mais en tant que connaisseur, vous avez d'abord préféré commencer par poser des questions et suspendre vos questions dans l'air. Et je suis convaincu que nous tenterons de répondre tant soit peu à ces questions dans cette émission. Alors, avant de commencer, j'ai préféré prendre le reportage de l'une des chaînes de confrères qui sont à Kinshasa, qui ont couvert certainement où c'était un reportage de Brazzaville, pour que nous puissions nous rafraîchir la mémoire sur la signature de ces accords entre Kagame et Sassou Nguesso. Je dirais même que c'était le moment fatidique où Sassou Nguesso décidait de poignarder son jeune frère Félix Tshisekedi dans le dos en posant sa signature sur cet accord, parce que personne ne pouvait comprendre avec au niveau de la nature des relations qui existaient entre les deux sur le plan humain. Moi je crois que et puis en vieux loup de la politique, le président Sassou Nguesso pouvait trouver des arguments pour dire à Kagame, mais non, attends un peu, j'ai des petits pépins ici et on signera les accords, mais le temps de laisser un peu évoluer la situation au Congo. Mais nous voyons ici des accolades d'amitié entre Sassou Nguesso et Paul Kagame, qui est aujourd'hui un ennemi juré du Congo. Je ne vous en dis pas plus. Suivons un peu ce reportage pour nous rafraîchir la mémoire sur cet accord entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. 12 000 hectares de terres agricoles vont être mis à la disposition du Rwanda dans trois départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Le leitmotiv de la visite de Kagame au Congo, c'est pour venir justement signer ces accords. On parle de la cession de pratiquement 12 000 hectares de terre, mais aussi surtout le contrat qui est, n'est-ce pas, attribué au holding Crystal Venture. Et on parle quand même de plus de 110 milliards de francs CFA qui sont versés par Kigali pour donc racheter les zones industrielles de Maluku. La République du Congo compte 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont assisté aux signatures de deux accords, trois protocoles, deux mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les attentes, le Rwanda voudrait bien capitaliser cette expansion et ce hub qu'il vient de créer au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que la seule ambassade qui existe pour beaucoup de pays en Afrique centrale, en dehors de Kinshasa, c'est Brazzaville. Donc Kagame est un peu stratégique, a compris que le Congo peut être le hub à partir duquel il peut mener ses affaires en direction de l'Afrique centrale, mais aussi, pourquoi pas, de l'Afrique tout entière.
Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ont demandé à leurs gouvernements respectifs de s'activer à l'élaboration des plans d'action pour débuter l'exécution des accords qui ont été conclus. Le chef d'État rwandais a achevé son séjour en République du Congo par la visite des sites culturels, industriels et agropastoraux à Oyo dans le département de la Cuvette. À travers cette visite, les deux chefs d'État veulent désormais démontrer le potentiel de la coopération Sud-Sud au service du développement de l'Afrique. Voilà, nous voici nous venons de nous rafraîchir la mémoire sur la signature de ce contrat, de protocole d'accord, de coopération entre la République du Congo et le Rwanda. Je voudrais que vous puissiez émettre un commentaire à chaud après avoir suivi ces images. Un commentaire, s'il vous plaît. Moi, je crois très bien que ici, nous étions en train d'assister d'un plan des deux présidents qui se sont dit, je crois, l'un a déjà goûté le miel du Congo et lui a dit, mais c'est que toi, c'est comme si tu ne veux pas aussi du miel, alors que nous avons un grand réservoir qui se retrouve tout proche de chez nous. Et pour moi, je me dis que ce plan est venu, il s'est dit, mais si tu veux, il dit, mais comment je peux aller là-bas? Bon, c'est vraiment un pays frère, et, je ne sais pas, nous avons d'autres accords, mais nous ne sommes pas au niveau des minéraux. Il dit, mais c'est question seulement si tu le veux, je vais te donner un plan. Et Agame est venu avec un plan, qui est réputé, maîtrisé, toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce qu'il l'avait dit. Il dit, donc, je connais le Congo, j'ai le Congo de la tête en bas, sommet à la présidence jusqu'ici, entre mes mains. Et parce que, comme je l'avais annoncé, ici, il ne s'agit pas de trouver une terre où les Rwandais viendraient cultiver, mais nous disons le Congo a aussi des terres. Il y a Pointe Noire, où il y a une grande forêt au niveau des Pointes Noires. Il y a aussi. En tout cas, loin de Kinshasa. Loin de Kinshasa. Oui. Pourquoi juste en face de Kinshasa avec, voilà. Oui. À la frontière aussi avec le Gabon. Il y a le. Mais on a choisi juste à l'opposé de Kinshasa, donc tout près de Kinshasa. Et nous constatons que si tout observateur réalise que c'est au-delà de ces accords de terre, mais il y a quelque chose qui se donne où réellement la place où il faut qu'on trouve les intérêts, c'est en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons senti depuis ces accords-là qu'il y a des bruits tout autour de la terre où on venait d'octroyer le Rwanda. Ceux qui comprennent, donc à Bandundu ou à l'ouest de la République démocratique du Congo, à Kamout, où maintenant, il y a, avant, c'était des menaces, on disait des ethnies en train de se battre, de s'entretuer. Nous comprenons même qu'il y a la présence des gens. Ce n'est plus un secret parce que hier, je voyais quelqu'un qu'on l'avait arrêté avec une moto qui venait du Rwanda. Donc, nous nous disons, est-ce que ce n'est pas un terrain où on a dit on va héberger maintenant les gens et ce sont des vrais chiens qui vont aller mordre et comme ça, nous allons nous distribuer des butins. Peut-être Sassou s'est dit, je suis le seul président partageant une frontière avec la République du Congo, mais je n'ai pas la main si les réservoirs de minéraux montent. Alors, il a dit, bon, Kagame, moi, je ne saurais pas aller moi-même. Viens chez moi et toi, tu vas faire l'une. On va distribuer les butins. C'est tout ce qu'on peut expliquer. Même si on se disait que, voilà,
le Congo est libre de se choisir qui il veut faire avec les accords avec. Mais nous regardons aussi la position de là où vous avez décidé. Ouais. Parce qu'il y a assez de terres aussi. Au Congo, Brazzaville. Pas seulement proche de la capitale. Et celui que vous donnez ce billet, vous savez si le plan international qui a un contentieux. Il y a un contentieux et qui est pendant, qui est là, qui est live, en train de s'opérer, oui. Et on est en conflit ouvert avec le Rwanda. Sassou Nguesso qui se permet de signer de tels accords pour, pour déplacer le Rwanda qui se dit oh, j'ai la frontière avec le Congo, mais par l'est du pays. Il sait qu'il a déjà commis beaucoup de dégâts à l'est du pays. Il a déjà tué et tout ça. Il dit je voudrais être juste à côté là, de la capitale, et pour maintenant poser l'acte final, l'acte fatal et autre. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Je me refuse de comprendre comment on peut avoir Kagame juste en face de nous, juste maintenant là-bas. Parle de mécanismes qu'on ne comprend pas. C'est là. Je cherche vraiment à comprendre pourquoi Sassou peut faire ça. Non, mais il faut aussi comprendre si vous analysez d'après les informations que nous avons reçues donc du côté de Bandundu, comment on appelle aujourd'hui, je crois qu'il y a un autre terme qu'on appelle Maïndombe, on a découvert aussi des carrés miniers, des diamants et d'uranium. Voilà. Alors, nous, si nous poussons les analystes très loin, nous disons, ah, peut-être le président Sassou s'est dit, ah, si moi j'étais là-bas, j'y serais vraiment dans les... Ce sont nous sommes des peuples, nous parlons la même langue parfois, pratiquement la même culture. Oui. Alors, les Bakongo de là sont les Bakongo d'ici, les Bangala d'ici oui. sont aussi comme les Bangala de là, donc c'est compliqué. Oui. Alors il s'est dit non. Bon, en tout cas, moi je vais aussi me retrouver dans ces nouveaux gisements et avoir ma part. Quelqu'un me dit c'est simple. Invite c'est moi chez toi et moi je fais le travail. Et voilà. Tu seras là. Personne ne dira moi. Ok, comment on va faire? C'est la terre. Fais comme si elle est d'accord. Moi je vais venir prendre des terres où tu veux. Moi je pousse cette analyse là parce que c'est à peine. Vous vous rappelez, il y a eu quand j'ai découvert cela, lorsqu'on a parlé de la mort, je crois dans une rivière ou quelque chose là, Maïndombe de certains députés provinciaux. Et après, quand on a fait des recherches, on a découvert que là-bas, il y avait un gisement de diamants et d'autres minéraux intéressants à Maïndombe. Et d'un coup, on se réveille, on voit que c'est les Rwandais qui quittent de loin et s'intéressent à venir acheter des terres pour cultiver au Congo-Brazzaville. Non, ça cache. Donc vous voulez donc dire ici que ces accords ne sont pas innocents. Ne sont pas qu'un problème de terre, d'agriculture, que le Rwanda veut avoir des terres pour faire de l'agriculture. Tout observateur averti comprendra que ce ne sont pas des accords innocents. Alors, si ces accords ne sont pas innocents, comment voyez-vous, quand un voisin vous signe un accord comme ça, avec votre ennemi juré, quel est selon vous serait la réaction de Kinshasa? Parce que vous avez démontré le danger. Et là, vous avez seulement démontré le danger un peu économique, que Sassou aussi commence à leurrer les richesses du Congo. Comment il va pénétrer? Il veut que un trouble fait s'y mêle comme ça dans ce brouhaha, dans ce désordre-là, que les deux profitent et aient la même mise sur certaines richesses qui sont là-bas. Ça, c'était que l'aspect économique. Mais certainement qu'il y a aussi des aspects purement politiques, coup d'État, un coup de force. On traverse, dans deux minutes, on a traversé l'autre côté de Maluku de Kinshasa, et l'affaire est finie. L'aéroport, notre aéroport d'Njili est juste là à côté. Ouais. Comment on peut permettre un ennemi juré qui peut avoir la possibilité de traverser et de vous atteindre et de contrôler votre aéroport? La seule, c'est pratiquement la seule voie de sortie du Congo.
C'est notre le plus grand aéroport. Et à tout moment, si les forces de Kagame pouvaient traverser seulement, ils prenaient l'aéroport. La première chose, ils prennent l'aéroport. Vous êtes neutralisé. Donc, c'est pourquoi je vous dis, quelle serait selon vous, comme ça d'emblée, sans même réfléchir, la réaction de Kinshasa? Je veux dire donc de M. Tshisekedi Tshilombo. La réaction de Kinshasa ou des pouvoirs du président Félix serait, comme nous avons toujours observé, premièrement, demande d'explication au travers de l'ambassadeur du Congo chez nous pour qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça, c'est au niveau diplomatique. C'est reconnu que quand vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire ou un pays ami, mais ce pays ami a fait quelque chose qui vous a tiqué, la première chose, demande d'explication. Vous êtes demande d'explication pour... Il dit, mais non, oui, oui. On est en soupçon de rien, mais dites-nous un peu, oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Vous ignorez que nous, on est en conflit avec le Rwanda pour que vous appeliez le même Rwanda partager pratiquement la capitale avec nous? Donc, nous notons que cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait, bien que nous avons seulement vu que le président a invité le président Sassou Nguesso. Sassou à Kinshasa. Mais avant cela, c'est dans le cadre. Bien sûr, les démarches des services de renseignement et de sécurité ne sont pas censées être à la portée du public. Mais nous pouvions ne fût-ce que comprendre que Kinshasa a interpellé l'ambassadeur du Congo pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Et puis, là-bas, ça a toujours été médiatisé. Quand les affaires étrangères interpellent l'ambassadeur, dans tout le pays, on médiatise ça pour montrer que non, il y a mécontentement dans le pays et qui interpelle et dit, pose la question à ton gouvernement. Ici, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il vient de faire là-bas. Qui nous explique. Et puis, qui nous donne des garanties. Des garanties que ça ne sera que l'agriculture et rien que l'agriculture. Et dans ces garanties, le gouvernement congolais peut demander plus pour dire, bah, écoutez, nous voulons être sûrs, et que réellement ces gens ne vont faire que de l'agriculture. Mais cette question n'a pas été posée à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa. Non, mais en principe, c'est ce qui s'est fait dans le cadre de la diplomatie. Ouais. Quand ils ne devaient même pas dire que nous donnez-nous des garanties, ils vont dire, vous autorisez nos services de renseignement d'entrer chez vous et de vérifier l'histoire. Par exemple, ça serait l'un des éléments d'exigence de Kinshasa. Oui, j'en viens pour un exemple. Oui. Du temps du président Lissouba, quand il se battait avec Kolela. L'actuel président. Sassou Nguesso et Kolela aussi. Oui, qui s'est rebellé contre Lissouba. Ouais. Moussa, quand a vu les obus tomber ici, il a fait venir Lissouba. Avant de le faire venir, tout d'abord, il a riposté. Et puis, il a fait venir. Dit, quand l'obus est tombé à Kinshasa, d'abord, Moussa, en tout rebelle qu'il était, il a dit, répondez. On ne peut pas répondre comme d'abord. Ça. Et puis, il dit que non. Venez m'expliquer. M'expliquer. Je veux une explication. Moussa, ce n'est même pas sa communication. Lui-même, il a dit. Il dit que nous voulons savoir d'où proviennent les poches de ces obus. Voilà. Et nous allons envoyer nos éléments là-bas pour savoir d'où proviennent les poches de ces obus. Bon, chacun a sa méthode, mais moi je crois que le président Fatih, qui est beaucoup plus dans la diplomatie, il devrait ne fût-ce qu'interpeller l'ambassadeur congolais. L'ambassadeur du Congo à Kinshasa pour lui dire que non, mais qu'est-ce qui se passe? Justifie-nous. Parce que là, au moins, il nous montre que voilà, nous avons un garant de la nation qui se préoccupe de la sécurité. Bien sûr, parce que certains, j'ai oui entendu que certains disent que non, le Congo-Brazza est libre de signer des accords, que de quoi se mêle le gouvernement de Kinshasa dans une affaire comme ça. Non, ça c'est l'analyse de Kinshasa qui compte. C'est quand Kinshasa estime que ce qui se fait maintenant à Brazzaville aura des implications contre moi. C'est une menace contre moi. Oui. C'est Kinshasa qui apprécie et qui tape du poing sur la table, interpelle l'ambassadeur. Oui. Cela n'a pas été fait.
Pourquoi? Parce que nous avons un président qui est petit frère du grand frère Sassou ou comment? Non, non, mais même si on est petit frère et grand frère, quand on est président, mais on défend une nation, mais il a un problème avec les Congolais. Parce que si les gens-là de Maïndombe se sentaient à l'insécurité, et ils commencent maintenant peut-être à collaborer avec les ennemis de la République, nous aurons une autre rébellion, même si ce n'est même pas une agression, mais une rébellion des gens qui se disent « Ok, peut-être attaquons déjà Kinshasa. » Moi, je crois très bien que le président, c'est un dossier très capital. Il s'agit de l'insécurité des territoires nationaux. Et il devrait ne fût-ce que nous rassurer. Les garanties, c'est à nous, les Congolais, que le président devait donner pour dire que non, j'ai entendu. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas allé là-bas, mais j'ai fait venir pour qu'on me donne l'explication. En plus de cela, demander que nos services entrent. Oui. Surtout que nous avons l'expérience avec le Rwanda et nous savons ce que le Rwanda veut du Congo. La moindre chose, c'est de... Et même si cela pouvait faire en sorte que les relations entre Sassou et Tshisekedi entrent dans le froid, mais nous, on s'en fout, nous, parce que lui, il est garant, il est là pour protéger les Congolais. Imaginez-vous que le Rwanda ait réellement des visées un peu antagoniste pendant sa présence là-bas à Brazzaville pour attaquer le Congo. Ça sera pas peut-être Tshisekedi sera protégé. Ça sera des Congolais dont le sang va couler. Oui. Donc ça signifie que lui doit prévenir des choses pour être sûr que ses concitoyens ne vont, leur vie n'est pas en danger et que ce qui se fait juste à côté là ne pourra jamais porter préjudice à son pays. C'est là où, en tout cas, nous ne sommes pas ici pour nous attaquer au président Tshisekedi, mais nous constatons que les procédures en la matière n'ont certainement pas été respectées. Non seulement n'ont pas été respectées, mais c'est que nous constatons que nous sommes maintenant dans un régime de passivité. Ah, vous avez lâché les mots. Vous avez lâché les mots. Donc nous sommes maintenant passifs. Tout. Mais nous attendons seulement lorsque nous serons envahi maintenant pour crier au secours à cette communauté. Qu'on commence à dire conseil de sécurité, conseil de sécurité. Mais il faut attaquer les choses en amont. Quand vous sentez la chose venir, attaquer, c'est là qu'il faut saisir. Parce que nous voulons que les Kagame, les gens qui viendront pour faire l'agriculture là-bas, ça sera des commandos, ça sera des militaires qui vont venir s'installer en face de Kinshasa. Et puis, on attend que maintenant, des gens armés attaquent Kinshasa pour qu'on crie au scandale. Oh, conseil de sécurité, nous avons attrapé un militaire rwandais chez nous, à Maluku. Mais quand il s'est implanté, il fallait agir comme des gens qui ont une bonne, qui connaissent comment gérer un pays, je crois. Mais si cette zone-là, c'est ce que je suis en train de pointer, c'est là où se trouve Kwamutu. Mais Kwamutu, déjà, on nous parle déjà de cette présence, même le président lui-même a reconnu France 24. Présence qu'on a arrêté des gens qui ne parlent ni langue locale. Donc, si nous avons des gens comme ça, mais c'est carrément des gens, des Rwandais, qui, parce que c'est eux qui ont toujours cherché à pénétrer comme ça, par des voies détournées, parce qu'ils ont un agenda. Ça, on ne se cache plus. On sait que non, il y a un agenda rwandais au Congo et ils font tout pour venir pénétrer d'une façon. Et quand cette affaire de Kwamutu, vous dites que c'est même connu au niveau du chef de l'État. Mais ça devait nous faire ouvrir l'œil. Il a parlé sur France 24. Imaginez-vous. Sur son interview avec France 24. Il a parlé de cela. Et je sais qu'il est au courant et je sais que c'est ce qui a fait qu'il a fait venir le président Sassou à Kinshasa. Mais ce que nous disons, il ne faut pas que nous soyons toujours passifs, entendre. C'est ce que nous rétorque tous ces pays qui nous menacent. Vous plénissez seulement, c'est pas seulement des critiques que nous sommes attaqués, attaqués. C'est-à-dire, défendez-vous. Bon, même si on ne se défend pas, mais même si c'est un plan diplomatique, on doit avancer pour suivre les protocoles.
Les protocoles voulaient que, quand on a des soupçons sur la frontière, c'est reconnu ici les normes Bien internationales. sûr. Quand on a des préoccupations sur nos frontières, que non, nous voulons savoir. Ce n'est pas que non, là, tu as violé, que non. Ah, mon frère. Quand il dit, oh non, ça intéresse pas, c'est mon pays. Il dit, ah, bon, là, maintenant, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on doit. Mais pourquoi entendre? Pourquoi entendre jusqu'à ce que nous soyons maintenant envahis ou attaqués pour dire maintenant que non, voilà, il y a ceci, cela. Je crois très bien qu'il faut épargner les Congolais avec toutes ces attaques-là qui les mettent encore vraiment maîtris, alors qu'ils sont déjà maîtris avec toutes les conditions sociales qui, jusque-là, est par terre. Il faut quand même les épargner. Et effectivement, parce que nous sommes ici en train d'analyser ce qui est certainement, ce qui est dans leur tête, ce que eux devraient faire. Parce que quand nous voyons, par exemple, le président Sassou Nguesso, qui est un président que on a dit ici au départ que si vraiment quelqu'un qu'on pouvait juger qu'il était vraiment ami à notre président, c'était Sassou Nguesso. Oui. Mais remarquez, absolument. Remarquez, Sassou Nguesso, depuis même qu'on est en guerre avec le Rwanda, un ami pouvait même nous donner des militaires et dire des. Oui. Ou même prendre position. Est-ce qu'on a déjà entendu Sassou Nguesso prendre position sur les agressions rwandaises au Congo? Et tout ça, même quand il a appelé Museveni à Oyo là-bas, Museveni, il était passif, c'est comme si, bon, il dit, bon, je te laisse avec ton histoire, hein. J'étais aidé à voir Museveni ici et parle avec lui. Hein. Mais on n'a jamais vu Sassou Nguesso, un vrai ami, venir aider président Tshisekedi dans le problème grave qu'il a avec le Rwanda, par exemple. Il pouvait même arriver loin, jusqu'à nous donner des militaires et dire, allez combattre. N'oublions pas que Sassou Nguesso, c'est un chef militaire, c'est un stratège militaire. Il pouvait bien nous aider sur le plan militaire. Mais Sassou Nguesso ne sait jamais. Et puis, il n'a même jamais pris position en faveur du Congo dans cette affaire-là. Donc, ça signifie que Sassou Nguesso doit être un homme dangereux juste à nos côtés. Parce que moi, je peux même peut-être affirmer ici que peut-être Sassou a été plus ami à Mobutu. Peut-être même est ami plus ami à Kabila qu'à Fatshi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Moi, je crois, quand vous l'appelez qu'il est l'ami du Congo, non, moi, je ne concède pas cela. Okay. Sassou n'est pas l'ami du Congo. Peut-être le Congo Brazza qui est l'ami du Congo. Ouais. Ça. Les deux peuples, nous sommes frères, nous sommes amis. Mais alors, en lui-même, restons dans la dimension de Sassou. Pourquoi vous dites que Sassou, alors, n'est pas ami du Congo? Essayez un peu d'élaborer là-dedans. Oui. Ouais. On sait que les deux peuples, moi, j'en viens nous savons que les deux peuples, nous nous aimons. Les Congolais de Brazza, les Congolais de Kinshasa, nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple, nous nous aimons. Oui. Bon, alors, vous avez épinglé quelque chose que oui, les deux peuples sont amis, sont frères, mais Sassou Nguesso n'est pas l'ami du Congo. Alors, élaborez un peu là. Mon analyse du régime de Denis Sassou Nguesso avec le Congo, même du temps de Mobutu, vous dites qu'il était ami. Non, c'était des petits qui craignaient Mobutu parce que personne ne pouvait parler au maréchal. Ouais. Vous vous rappellerez toujours qu'il y a eu toujours un peu de contentieux, même du temps de Mobutu, avec l'histoire de football, avec l'histoire. Où les Congolais disaient fâchés, ont commencé à faire de. Alors Mobutu calmait, dit bon, bah, laissez ça, ouais. Goma Zairoati Kanyoka. Goma, de l'autre côté. C'est pas le régime. Oui, c'est pas le régime de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Alors personne. Si les pays que je voyais, un peu proches. En termes même du temps de maréchal, les pays que le Gabon, quand vous voyez les gens tels que Omar Bongo à l'époque. Omar Bongo et les autres là s'opposaient même quand Laurent Désiré Kabila a pris les armes et dit non, ça c'est humilié. Et quand même le maréchal, maréchal, ça ils l'ont soutenu et tout ça. Quand tout est parti, bon, ils se sont dit nous allons collaborer avec Laurent Désiré Kabila. Mais ce sont les gens qui se sont montrés que. Même le Tchad ne pouvait être. Ce sont le Tchad prenait position sur le Congo, voilà. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est du tiède.
Il n'a jamais montré sa position. En ce qui est en relation, moi, quand je l'étudie, ouais. même du temps de celui que Moussa d'ailleurs, Moussa, lui, déjà, si ça pouvait, un jour, pouvait barder s'il était en vie avec Denis Sassou Nguesso. Avec Denis, hein? Parce qu'il n'aimait pas ces cache-cache. Oui. Il n'aime pas les jeux de cache-cache. Vous vous rappellerez toujours, il a toujours, par exemple, pris les gens, les anciens militaires de Mobutu, comment on les appelait encore, la DSP, et même cela, ce n'était pas pour qu'ils soutiennent même cette DSP-là de retourner à Kinshasa. Du temps de Joseph, c'est celui-même qui a anéanti tous ceux-là qui étaient rebelles, les anciens. Qui ont pris le fiche chez lui? C'est lui. Ah. Donc, il joue les. Même les papas Nbanda ici, eux croyaient que Brazzaville allait les aider pour reconquérir Kinshasa, mais ils n'ont jamais aidé les forces de l'opposition contre Joseph Kabila. Donc sa position. Ça, c'est une preuve pour montrer qu'il n'était même pas ami de Mobutu. Il n'était pas ami de Mobutu. Mais il s'intéresse à tout ce qui se passe en RDC pour chercher maintenant à se positionner pour ses intérêts. Et là, maintenant, nous le trouvons qu'il est allé avec Fatih, qu'il a connu et tout, tout ça. Bon, il ne connaissait pas seulement Fatih. Je l'avais vu entrer et taper à l'épaule à Kamere, l'appelant le président des présidents, quand Kamere était président du Parlement. Lui s'intéresse à la classe politique de la RDC, qui est là et tout ça. Il n'est ni contre, il n'est ni pour. C'est un tiède. Il est tiède, il ne prend pas position, il ne montre pas. Il est tiède, il ne prend pas position. Mais vous venez. Alors, oui, poursuivez. Nous avons un problème de son là avec vous. Ils disent que non, après le militaire ne fût-ce que pour stopper. Pourquoi ne fût-ce que. C'est là qu'on appelle les terroristes qui attaquent les FDL et consorts. Pourquoi Denis Sassou Nguesso, qui a une armée forte, n'a jamais dit que non. Ah, voisin, mais ça brûle chez toi. Bon, je peux quand même me servir, mes agents peuvent aller là-bas pour tout ça. Oui. Il ne s'est jamais intéressé. Voilà. Là, je dis pas seulement pour Fati. Alors, un tel monsieur, on doit l'analyser pour dire. On doit l'analyser quand vous entendez. Il n'est pas un ami du Congo. Ça, j'aime bien ça. Il s'intéresse du Congo, de la politique du Congo. Pour se positionner, se retrouver. Alors, comment vous expliquer ce que moi je peux qualifier comme une certaine naïveté du président Tshisekedi? On a vu combien d'allers-retours. Même des moments intimes, le moment où on invite que ses amis, quand le président Etienne a été inhumé, c'était Sassou, un grand ami que Fatih a invité. Donc dans la tête de Fatih, c'est comme si Fatih n'a pas les éléments que vous avez. C'est comme si Fatih s'est lancé dans les bras de Sassou. Ah, vous êtes un grand ami et tout ça. Je ne sais pas comment vous trouvez. Parce que c'est ce que nous observons. C'est comme s'il y a une mauvaise analyse de Fatih vis-à-vis de Sassou Nguesso. Parce que si Fatih pouvait voir Sassou comme vous le voyez, cet ambassadeur serait interpellé. Non, moi je crois très bien que ce n'est pas seulement à Fatih que je vais dire. Moi je crois que tout le régime, y compris, bon, c'est seulement Moussa que je n'avais pas vu. Sassou le faire venir chez lui. Bon, il a commencé avec Souba et tout ça, lui donner les honneurs et tout ça. Lui, il a sa politique. Quand il y a quelque chose au Congo, il les reçoit avec les honneurs. Je crois que Fatih aussi, en retour, ne pouvait que faire ça. Parce qu'on reçoit à l'honneur. Réciprocité diplomatique. Peut-être ils ont cette aussi analyse et dit que non, c'est pas quelqu'un qui nous porte à cœur. Mais juste pour montrer que non, bon, Fatih président, si vous devenez président chez vous, bon, donc nous pouvons nous retrouver. Il a fait ça avec Kabila aussi. Avec Joseph. Joseph allait là-bas, parfois il invitait ici, bon, en tout cas. Mais sans toutefois aider, parce qu'un voisin, c'est pendant le malheur qu'on sait que, mais il est venu. Mais ce n'est pas dans le deuil. Dans le deuil, tout le monde peut venir. Vous vous souvenez, même Mouzé a dû plutôt chercher les Zimbabwéens loin et les Angolais. Bon, je sais que les Angolais partagent quand même aussi notre frontière.
Mais il y avait toujours ce Congo Plaza là-bas. Voilà. Mais ce Congo Plaza pouvait dire non, si les Angolais peuvent venir vous aider, si les Zimbabwe peuvent vous aider, non, je vous envoie quelques troupes aider. Allez-y, il faut déloger ces gens. On ne peut pas accepter parce que c'est un problème de région. Nous voulons que notre région soit en paix. C'est comme si Sassou, la déstabilisation de la RDC, l'arrange même. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah, voilà. Le problème, lui, qui peut être là à la tête du Congo, il le reçoit avec les honneurs. Avec les honneurs. Parce que la manière qu'il reçoit Fati aujourd'hui, c'est la manière qu'il avait reçu Joseph Kabila. Et du temps de Mobutu, d'ailleurs, même ce n'était pas fréquent. Ouais. Mais il ne pouvait que recevoir parce que ce sont des petits. Que Mobutu pouvait décider que tu sautes, il sautait. Donc ça, alors, donc ça signifie donc que quelqu'un de comme ça, qui ne te porte pas à cœur, mais qui juste utilise les usages diplomatiques, hein, dit aujourd'hui tu viens chez moi, demain tu viens pour des petits dialogues dans la région et autres, mais que quelqu'un de comme ça, donc ce n'est pas un bon ami, c'est vraiment quelqu'un qui peut te poignarder dans le dos quand toi tu ne t'attends pas. Donc on a trouvé le bon titre ici. Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit. Il n'est même pas un ami. Voilà. Il est seulement un voisin. Juste un voisin. Alors, si Sassou Nguesso n'est qu'un voisin, mais alors, entrons maintenant dans la gestion du gouvernement congolais, de notre président. Quand vous avez en face de vous un président comme Sassou Nguesso, qui est là juste pour lui-même et qui n'est pas prêt à vous aider, qui n'est même pas prêt à prendre position pour vous, quelle serait l'attitude sur le plan purement de la gestion du pays? Parce qu'il est garant, le président Tshisekedi est garant de son pays, de l'intégrité territoriale. Mais quand une décision comme ça est prise par un voisin aussi douteux comme Sassou Nguesso, que ferait Fatshi, selon vous? Que ferait Fatshi? Moi, je me dis, je regarde la nature du président Fatshi et sa politique qu'il nous a toujours montrée. Ouais. Lui, il aime toujours négocier dans sa diplomatie. Ouais. Alors, je me dis, cette diplomatie lui octroie les droits de vérification. Alors, à la limite, ce qu'il pouvait faire avant de faire venir le président, il pouvait ne fisquer envoyer ce signal-là que je ne suis pas content. Mais s'il reste dans ce calcul de rester, dit que non, je ne veux pas avoir autant d'ennemis, mais nous disons que ces gens-là vous ont déjà envoyé des signaux. Ces services sont au courant de ce que peut-être nous-mêmes, on ignore même. Yeah. Oui. Alors, si il sait ça, mais vous attendez que l'autre ennemi soit tout proche pour maintenant te mettre entre les manteaux et l'enclume. Non, moi je crois qu'on avance et puis on essaie de regarder qui est avec moi. Qui est avec moi? Parce que les gens qui sont avec toi, ils peuvent te... C'est pareil même si je regarde aujourd'hui le régime du président, comment il s'appelle, de l'Angola, Lorenzo, c'est notre Denis Sassou Nguesso tout près de nous. Aussi un tiède. C'est un tiède. Oh. Regarde tout ce que nous sommes en train de vivre, alors que l'Angola a toujours donné sa position quand il s'agit de questions de monde. Du temps de Dos Santos. Où il est avec Mobutu, où il est contre Mobutu. Donc ça c'était clair. Ouais. Pour le Congo. Pour le Congo. Et j'avais même appris que c'est Dos Santos qui avait acheté l'actuelle permanence de l'IDPS. Ça. C'est lui qui avait pas acheté, c'est-à-dire il avait envers l'argent. Oui, pour supporter Tshisekedi, Étienne. Étienne. Donc, vous voyez des amis qui ne sont pas seulement voisins. Ils se positionnent. Soit qu'ils te disent, je suis avec toi ou je ne suis pas avec toi. Alors, les gens pareils, non seulement pour Denis Sassou Nguesso, mais le président Fatshi devrait quand même arriver avec ses services de dire que non, nous devons tracer un tableau. Parce que celui qui n'est pas avec nous... Et contre nous.
Et contre nous, a dit le Seigneur Jésus. Come on. Alors, si nous comprenons cela, prenons des mauvaises attitudes. Il ne faut pas montrer ces histoires-là. C'est là où parfois les gens, peut-être même les téléspectateurs de Icaret, peut-être moi j'ai connu que non, lui c'est Kabili, c'est Moussé et tout ça. C'est là où c'est Moussé. Quand il te montre, il dit que non, non, je ne t'aime pas, moi aussi je ne t'aime pas. Allez-y. Allez, moi je suis ici. Allons-y. Moi, mon intérêt, c'est mon peuple. Quand tu veux m'aider pour aider mon peuple, moi aussi je peux t'aider chez toi. Mais si tu ne peux pas m'aider, en tout cas, moi je te considère comme un ennemi pratiquement. Voilà. Donc, peut-être que certains téléspectateurs peuvent nous considérer comme des apprentis dans le domaine de la diplomatie, des relations entre les États. Moi, je crois que c'est ça l'origine de nos malheurs. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, c'est comme vous avez dit, vous avez fait une petite étude là, rapide de Sassou Nguesso. C'est, moi, je me disais, non, il était un ami de Fatih. Vous dites, il n'a jamais été ami à qui que ce soit. Déjà, Mobutu, il est kenyan parce qu'il était un grand frère. Avec Laurent Désiré, d'ailleurs, il a fait des tentatives, et puis bon, c'était tiède. Bon, Fatih vient, bon, avec Kabila et Joseph, c'était aussi la même chose. Tu m'invites, je viens. À un moment donné, moi, je t'invite aussi. Les gens nous voient sur les écrans de télévision, les néophytes, les novices peuvent dire, oh, ce sont des amis. C'est ça que Sassou utilise, les médias. Ouais. Quand vous apparaissez là, sourire et tout ça, il dit, bon, les novices peuvent qualifier que non, ah, Joseph Kabila, c'est vraiment un ami de Sassou. Alors que lui, il a sa position, je ne suis pas là. Ouais. Fatih vient, lui aussi, mais c'est comme si Fatih en a un peu fait trop. C'est pourquoi, moi-même, je suis tombé dans le piège, j'ai dit, mais ça, c'est pratiquement son grand frère, son papa. Et la façon dont Fatih vraiment le faisait, moi je crois que Fatih, toujours dans sa diplomatie comme il faisait avec Kagame, il dit non, je vais annuler toutes les ambitions de Kagame sur le Congo. Vous voyez les ambitions, il m'a tout ça. Fatih croyait vraiment qu'il pouvait annuler ça dans la tête de Kagame, seulement avec des visites de courtoisie et autres. Moi je crois que Fatih y croyait, je ne sais pas comment vous vous trouvez. Parce que moi, je l'ai examiné. C'est comme si Fatih croyait que je serais le grand Kissinger d'Afrique, le grand diplomate. Je veux transformer ce Kagame de l'ennemi du Congo ou de lui faire oublier toutes ses ambitions immatouti seulement avec mes belles paroles et autres. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Non, mais absolument. Vous avez pleinement raison. Moi, je crois que le président Fatih il a écrit que avec sa politique de privilégier la diplomatie, il va réussir quand même à contourner tous ceux-là qui ont, comme disait Mouzé, qui ont goûté du miel du Congo et ils ne veulent plus quitter. Alors que si je regarde le régime de Fatih, jusque-là, tout autour, je ne le vois pas avec les amis. Fatih n'a pas d'amis. Vous voulez dire ça? Là, vous avez un problème de son. Là, vous avez un problème de son. Je crois que ça va se rétablir. Comme il fait froid ici, les ondes nous font défaut. Ouais, allez-y, vous avez le son. Dès lors que le son est là, allez-y. Vous tranchiez un peu sur... répétez un peu ce que vous avez dit là. Bon, ça m'a un peu... Non, je disais, même Ouru Kenyatta qui a semblé être son ami, Ouru Kenyatta aussi, c'est quelqu'un qui voulait se retrouver dans les grands réservoirs miniers congolais. Il n'y a pas autre chose. Donc, ce n'était pas une amitié réelle. Et l'actuel président l'avait bien dit. Il dit, ces gens-là, nous allons leur donner le bilan et nous allons prendre des minéraux. C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'a pas d'amis. Regardez Museveni. Quelle amitié. Quelle amitié. Elle dit comme un papa, il a accueilli tout ça, mais toujours poignardé dans le dos. Dans le dos. Mais au moins, vous avez vu comment Fatih, chaque fois quand il a affaire à ses différents chefs d'État, mais vous pouvez conclure que cet homme croit plus en cette amitié pendant que c'est l'autre qui n'est pas là-dedans. Moi, j'ai noté une certaine naïveté
dans le chef de Fatih. Oui. Je ne sais pas. Parce que dans absolument. Parce qu'on pouvait aussi noter que non, Fatih aussi joue du malin. Hein? On peut voir quelqu'un qui joue du malin, mais lui aussi, son cœur n'y est pas. Mais voilà le contrat qu'il a donné à Museveni pour la route qui va vers Beni, qui part de l'Ouganda vers Beni. Qu'est-ce que Fatih avait à lui donner un contrat comme ça? Donc c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il croyait que le vieux Papa Nanga Pinda, c'est mon vieux et tout. Il va être avec moi, il va me soutenir. Parce que c'était quand Museveni était en conflit avec Kagame. Hein, tu vois, j'avais un froid là. Alors Fatih a compris que non, moi j'ai eu le vieux, je signe même les accords. Le vieux s'est précipité, il a aussi tracé la route. La route est déjà là, qui relie l'Ouganda là à Beni. Donc Fatih, c'est vrai. La route est là. La route est tracée. La route est tracée. Hein? Un véritable autoroute. Les intérêts économiques et même sécuritaires. Il n'a pas pris compte de ça parce que pour c'est le président Museveni qui avait plus manifesté l'intérêt et il a supplié Fatih, même pas supplié, il a dit non, fils, je veux ça. C'est pourquoi même c'est Museveni lui-même qui a financé la chose. Il dit, j'ai l'argent, mon petit, justement ton feu vert. Il a dit, bon vieux, fais ça. Parce que lui croyait en l'amitié, alors que c'est le même Museveni qui le poignarde dans le dos quelques mois après. Oui. Non, mais exactement. Vous avez dit un mot qu'il a fallu. Je crois que le président Fatih est naïf de croire qu'avec ses relations, quand ces gens lui donnent de belles paroles, il dit que non, ah, ces gens se sont avec moi. Je crois que c'est pareil même au niveau international. Voilà. Les au niveau international. Bien sûr. Il a crié en disant que si on a derrière toi les États-Unis, tu as les gars qui peuvent. Mais il a trouvé, encore une fois de plus, les États-Unis l'ont poignardé dans le dos. Le Macron ici. Biden qui, aux Nations Unies, les frappait même à l'épaule pour dire que non. Et tout le monde, j'ai vu, mais les gens de l'IPS, relations privilégiées. Relations privilégiées. Oui. Conseil de sécurité, le premier pays, non, on peut, embargo, c'est les États-Unis. On ne lève pas l'embargo des armes, c'est les États-Unis qui ont imposé. Ils disent non, on ne veut pas. Le Congo doit rester comme ça. Ton ami peut faire ça. Ton ami peut faire ça. Donc, c'est ce que j'ai dit, qu'il faudrait que. Fatih n'a pas d'amis. Dans le service du président, qui comprennent que nous tombons. Bon, je crois que certains l'ont toujours dit qu'il est seul. Peut-être que ce n'est pas. Il croit seulement seul au Congo. Non, il est seul dans le monde. Et il doit cette diplomatie revoir parce que. On ne peut pas dire qu'on a des amis, alors que quand il y a des grands dossiers qui touchent ta nation, personne n'est avec personne toi. Personne n'est avec toi. Personne. Alors, absolument personne. Mais c'est quel ami? Moi, vous allez m'appeler ça ami? Non, un ami, c'est celui qui est dans le bonheur, dans le malheur. Qu'est-ce qui, selon vous, alors manque à Fatih? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il trône sur un pays très riche qui devrait plutôt, par effet du magnétisme, attirer tous ces gens pour être vraiment de véritables amis, ou comme les Congolais disent, Azo Soro la bienté, ou bien on ne l'aime pas seulement, on attend son départ pour qu'on commence bien les choses avec les Congos. Ou peut-être c'est parce que Fatih gêne. Ah, il faut aussi voir la chose comme ça. Que peut-être parce que c'est l'homme du changement, c'est le peuple d'abord, que les Occidentaux disent non. Nous, on n'a jamais aimé les gens de l'UDPS. D'ailleurs, son père, on ne l'a pas aimé. C'est là on lui a donné une petite chance, mais ce n'est pas lui. Nous, on attend le prochain. Peut-être c'est Mukwege. On nous parle de Mukwege, finalement, et tout, et tout. Peut-être qu'un Mukwege, c'est leur homme, c'est leur plus d'hommel, et tout, et tout. Peut-être qu'on verra autre chose après. Mais je me dis ça. Comment, dans le chef de Fatih, comment il parle avec ces gens? Ils croient qu'ils sont ses amis ou comment? Non, moi je crois très bien que au niveau de la communauté internationale, ils ont étudié Fatih avant qu'il accède au pouvoir. Ils savent très bien. Okay. Sachent bien qu'il y a un moment, la communauté internationale, les calculs sont tombés à côté. C'est du temps de celui que j'ai toujours mentionné, Mouzé. Parce qu'ils ont fait passer à Mouzé comme quelqu'un
de rien. Comme un idiot, un soulard. Oui, qui ne s'intéresse pas à ça. Mais juste quand il a pris le pouvoir, ils ont dit, oh non, qui a annulé les contrats. Donc, avant même son exécution, il dit, non, je ne reconnais pas ce mandat-là. Non. Il a dit, venez renégocier ça chez moi. Et malgré que cet homme-là était tellement à l'opposé de la grande majorité de la communauté internationale, des puissants de la communauté internationale, au moins il avait les amis quelque part. Il avait. Comment lui parvenait à avoir des amis? Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, moi, en tant que chrétien, quand vous regardez, on dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire que Fatih doit se positionner. Ah. Il doit maintenant savoir dire à l'autre là, non. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il dit tout simplement, ok, bon, je sais, c'est à être bon avec tout le monde. Bon avec tout le monde, avec LCC, avec le président togolais, avec le président égyptien, avec tout le président, tout le président. Mais pendant que tu es dans le malheur, on ne voit personne. Personne. On ne voit personne. Même la Côte d'Ivoire, où disait, non, je vais à Ouattara et autres. À Ouattara, comme un grand frère, un aîné, tout ça. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent même pas dire que non, ben, nous vous envoyons le fisqué. Vous savez, du temps de Maréchal, même avec le président nigérien qui, comment il s'appelait encore, l'autre là qui était fort là. Obasanjo, non. Non, pas Obasanjo, avant Obasanjo, il y avait quelqu'un qui était prêt, il dit que non, mais vous envoyez un militaire, quoi, laisse-toi faire cette révélation. Mais nous-mêmes, nous avons fait ça au Tchad. Combien de fois on a envoyé nos militaires, d'abord au Burundi, au Rwanda, au Tchad? Un pays ami fait ça. C'est pourquoi j'ai dit, Sassou pouvait faire ça chez nous. C'est ça. Parce que la sécurité au Congo, Kinshasa, est aussi la sécurité du Congo-Brazza. Surtout que nous, on est tellement liés. Lui, il préférait que le Congo-Kinshasa soit stable pour que lui aussi soit stable. Mais lui, il s'en fout. Alors, vous continuez à l'embrasser, à venir à côté. J'ai dit, mais c'est pourquoi on est en train de réfléchir ici. Alors, parce que moi, j'étais peut-être un peu naïf. J'ai cru que c'était un ami de Fatih qui l'a poignardé dans le dos. Il n'a jamais été ami du Congo. Oh, voilà. RTC. Voilà. Jamais. Donc, c'est un tiède. C'est quelqu'un qui est là, faisant son business chez lui. Son business à lui. C'est son business. Voilà. Et maintenant, Kagame, ayant fait la bonne analyse, il dit, ce gars n'est pas ami du Congo. Voilà. Le Congo fait de moi son ennemi. Bon, qu'est-ce que voilà. Je fais? Moi, je fais de Sassou mon... Même s'il n'est pas mon ami, je fais le business avec lui. Et Sassou dit, moi, je suis prêt. C'est lui qui veut faire le business avec moi. Au niveau du business, il vient faire. Oh non, Kinshasa, moi, je ne suis pas l'ami de Kinshasa. Qu'est-ce que Kinshasa va me faire? Viens t'installer. Il invite Kagame en face de Kinshasa. Laisse-moi dire qu'il ne l'a pas dit, viens faire le business. Ouais. C'est Kagame qui lui a proposé. Il dit, mais, il y a un business sur toi. Mais es-tu intéressé? Tu veux rester toujours le plus malheureux de tout ça, alors que tu as un réservoir juste à ton nez, là. À côté de chez toi. Et qu'est-ce qu'il y a quand on a proposé de la sauter? Laissons cette histoire de terre-là. Est-ce que vous voyez une histoire de terre-là? Je ne crois pas. C'est pourquoi nous avons fait cette émission. Oui, et puis, quelle compagnie qu'on a donnée pour contrôler ces business-là? Parlez-en, parce que j'ai un élément, introduisez déjà cette affaire-là. Mais c'est ce que nous disons, cette compagnie de ces Zambiens-là, qui était déjà... Monsieur James Ndambo. Oui, déjà, c'est pas vrai. Avec un contrat avec la RDC, du temps de Joseph Kabila, qui continue même à être là, on doit maintenant lui donner ailleurs là. Maintenant, c'est quel intérêt? Un spécialiste des services de renseignement et de sécurité. Alors, est-ce que vous comprenez qu'il y a un intérêt? Ouais. Parce que Denis Sassou Nguesso, lui, il a mis déjà, il a sa sécurité à lui, il dit que non, ah bon, c'est ça vos intérêts, vous mettez là. Bon, moi, vous savez que si vous osez ici chez moi, vous n'avez pas ce contrat là, vous serez dans un problème. Il a mis juste. C'est-à-dire que ces gens-là ont dit que non. Si nous sommes de l'autre côté, c'est monsieur a dit à son boss, Kagame, que si nous sommes de l'autre côté, c'est fini. Le Congo est déjà contrôlé. Parce qu'ils ont senti l'odeur de notre jugement.
Il dit non, 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 non. Fais tout pour que nous soyons Congo Brazzaville. Et ce gisement là-bas ne va pas nous échapper. Et je commençais à faire des analyses. J'ai dit, depuis qu'on a vu ces vaches-là, comme vous avez dit ici, il y a. C'est ça un autre modèle d'opération du Rwanda. Partout là où nous sentons l'odeur d'un gisement, il faut qu'on trouve. Et Joseph Kabila avait déjà si. Il faut être à côté. Oui. Il faut être à côté de ce gisement-là. Voilà. Comme il est déjà à côté du coltan à l'est, il veut être encore à côté de l'autre gisement qui vient d'être trouvé. Et en plus, l'uranium. Oui. L'uranium. Donc, c'est ça les enjeux. Alors, quand les enjeux sont à un niveau aussi élevé comme ça, mais le pouvoir central du Congo, Kinshasa, ne devait pas prendre ces choses à la légère. C'est comme si on était en face d'un... On suivait un film, le film commence et il se termine, et puis nous, on a suivi un film, mais des accords, les terres, les agriculteurs rwandais vont venir. Et puis, bon, c'est fini. Et puis, nous... business as usual, nous continuons notre vie d'habitude, comme d'habitude. Alors que beaucoup de mesures de sécurité devaient être prises en place, de riposte sur le plan diplomatique, et puis de renforcement de nos frontières, qui ne disent pas leur nom, et tout ça. Mais rien de tout ça n'est fait. Mais on attend que quand on sera réellement attaqué par des troupes étrangères, à ce moment-là, on commence à crier au scandale. Oui, mais c'est ce que nous disons. Ce que nous constatons, du régime de Fatih, c'est un régime de passivité. C'est-à-dire que Fatih voulait tenter de passer. Alors qu'il y a un danger. Nous, par exemple, tous ceux-là qui analysent l'histoire entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville vont trouver que nous avons déjà eu autant de contentieux. Voilà. Vous rappelez, à cause de Congo-Brazzaville, des bergers, des rebelles, des MLC, les Lumumbistes, Moïse Tshombe, premier ministre, avait donné 24 heures d'ambassadeur à tous les Congolais de Brazza de quitter. Les Congolais. Oui. Voilà, une réaction. Tous ces rapports-là sont là. Une réaction. Ça, j'aime ça. J'aime ce rappel historique. Ça devait servir d'analyse. J'aime ce rappel historique. Ça devait servir d'analyse. C'est comme ça que le gouvernement central devait dire. C'est quoi ça? Ça devait servir d'analyse. Tout ce qui touchera au Rwanda à côté de moi, Sassou Nguesso, si tu veux me déclarer une guerre, déclarons la guerre. Parce que là, moi, qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est fini. Ça, j'aime bien ce rappel historique. Oui, cette politique de Fatih place maintenant le Congo des faibles. Et quand on est faible, c'est tout le monde qui va chercher à nous attaquer ou à nous tester. Et peut-être dans les analyses, on croit que ce serait intéressant. Il est temps que le président revoie sa politique. Cette diplomatie-là est tentée de nous placer nous dans une position de faiblesse. Et c'est dommage parce que même sans trafic, demain peut nous envahir. Comme on avait vu avec la Zambie qui avait même déjà occupé nos terres. Nos terres. Et je crois même que... Je ne sais pas si c'était libéré directement parce que l'histoire... Ils ont pris du temps. C'est la médiation de l'Union africaine et après, bien après. Non. Quelque chose de comme ça devait faire. Vous entrez le matin, quelques heures après, l'armée vous poursuit. Mais non. Ils se sont installés. Ils s'étaient installés. Pourquoi? Parce que la Zambie... Est-ce que la Zambie pouvait oser même... Pas même du temps de Mobutu. Parlons même du temps même de Mousset. Ils pouvaient oser. Ils n'ont même pas fait du temps de Joseph Kabila. Voilà. Pourquoi c'est... Voilà. C'est, ils profitent justement de cette politique de passivité. C'est pourquoi le mot, vraiment, je l'aime bien. Vous l'avez bien trouvé. Ça, la politique de passivité du président Tshisekedi. Il dit, mais il est passif. Lui, bon, on tente un peu. Et puis on tente, mais eux, ils ne disent rien. Ils commencent plutôt à crier, oh non, Union africaine, je veux une réunion d'urgence. Les Zambiens ont pris... Les Zambiens, il faut crier. Les Zambiens, on l'attaque. C'est comme le Rwanda, on l'attaque. Oui. Hein? Moi, je crois très bien que... Imaginez-vous, nous pleurnichons pour un petit Rwanda.
Même si on dit, même si Guterres doit dire, oh non, les gens de Kagame sont armés jusqu'aux dents avec une puissance de feu. Nous, nous devions considérer que nous devons même mobiliser nos jeunes. Allons, chassons ces gens qui ont occupé notre territoire. C'est ça, c'est, ça devait être ça le réflexe. Ils m'ont dit non, nous, il faut donner le temps à la diplomatie, diplomatie. Nous sommes là, Bounagana, jusqu'aujourd'hui occupés. Mais c'est ce que nous disons. Pourquoi ils n'ont pas pu, si les Rwandais avec toutes ces armes sophistiquées, pourquoi ils n'ont pas pu du temps de Mosée de contrôler des Makinsa? Si ce n'était pas par les assassinats, est-ce qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils ont contrôlé? Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire que Mosée qui venait d'ailleurs leur allié, qui n'avait pas assez d'armée, mais il a résisté avec le paix des militaires congolais, c'est que nous sommes forts. Vous savez, moi, j'ai été toujours interpellé par cette blague qui cachait beaucoup de choses de Museveni quand il avait dit à Kamere, il dit non, mais Kamere devait comprendre que c'est comme dans la Bible avec la prière de notre Père. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Organisez-vous un peu. Parce que vous exposez si les richesses. Vous n'êtes pas sécurisé. Avec tout ce que vous avez, nous aurons intérêt à vérifier. Nous sommes tentés. Et aujourd'hui, si on sait très bien que les Rwandais ont tiré ici, l'Angola, n'en parlons pas. Ouais. Qui on sait, ce sera le tour. Et ce que nous sommes en train de constater, c'est maintenant le tour de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. De Nusasungos. Et nous, on reste dans cette logique de diplomatie, diplomatie. Pourquoi? On dit non, parce qu'il faut donner le temps au président Tshisekedi de forger son armée. Et nous sommes venus d'un grand trou. Il n'a pas trouvé une armée en place républicaine. Et le temps de forger son armée. Et un jour, il ira à l'offensive. Vous voyez Tshisekedi aller à l'offensive un jour? Il a quand même tenté quand il a repoussé le M23. Oui, mais le problème, c'est quoi? Le M23, je crois qu'ils ont fait un recul parce qu'ils sont dans les calculs. Ils ont demandé à Museveni, il dit que non, contournons. Je crois même, si on doit analyser, je crois à Monosco qu'il a dit que non, si je vous laisse entrer ici. Ça serait quand même ridicule. Donc, c'est réacquisé directement que c'est des passes. C'est la complicité. Allez là-bas. Parce que des menaces étaient que Goma pouvait tomber. Ouais. Alors que Mouska a dit que non, avec tout ce que j'ai comme des menaces, les Congolais ici, vous risquez d'avoir des problèmes ici. Parce qu'il faut reconnaître d'abord que laisse là-bas les Goma et Bukavu, ils sont prêts à tout. Voilà. Ils sont prêts à tout. S'ils font résister, même les groupes de Banyamulenge qui voulaient imposer, ils ont dit que si on va s'entretuer. On n'entrait pas. Voilà pourquoi maintenant, ils ont ouvert maintenant un autre front à Bounagana. Et là, maintenant, ils sont en train d'étudier. Ça. C'est-à-dire que nous, si poussaient comme les a poussés et directement aussi attaquer Bounagana, je crois aujourd'hui. Ouais. Et nous sommes capables avec notre armée, nous sommes capables de. Moi, je crois. Mais le problème, c'est que. Le président n'a jamais donné le go. Le go non, pour. C'est parce qu'il privilégiait tout d'abord la diplomatie. Et ce qui nous fait retarder nous met dans une position de faiblesse. Et dans cette diplomatie-là, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Alors que ceux qui font cette diplomatie internationale-là, ce sont des acteurs. Et normalement, si tu n'as aucun acteur qui défend ta cause, mais pourquoi continuer à faire confiance même aux institutions des Nations Unies et autres, diplomatie, mais personne ne prend position pour toi. Pourquoi continuer? C'est ce que nous disons. Tu réalises que c'est une légitime défense. Non, moi j'ai dit même, je vais aller même pays de là où il a passé beaucoup de temps, la Belgique. Ouais. Mais qu'est-ce que la Belgique nous aide dans absolument tout ça? Parce que même pour éradiquer les groupes rebelles ou les miliciens, non parlons pas d'abord de nous soutenir dans une agression avec le Rwanda, parce qu'on va dire que non, ce sont les deux, mes deux colonies. Mais même quand Fatih a déclenché les trucs de Ben ici, comment on appelle encore? Quoi ça?
les services là où la sécurité à l'est, c'est là où on a mis, comment on a appelé, le faux tampon de non. Non, non, pour combattre l'AFDEL, nous, on a mis l'état d'urgence. L'état d'urgence. Oui. L'état d'urgence. Pourquoi même la Belgique, qui semble être un ami, ne pouvait pas dire que non, non, non. Nous t'assistons avec le la logistique. On t'envoie vraiment la logistique nécessaire. Voilà. Ce sont les gens qui maîtrisent bien le Congo. Alors, pour moi, bon, c'est au président. Moi, je ne peux pas me fier de ces gens-là qui sont avec moi, les amis. Non, non. Mais nous voyons l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre contre la Russie. Vous voyez tous les pays qui se disent amis de l'Ukraine. Comment ils viennent en aide à l'Ukraine pour que l'Ukraine... Aujourd'hui, l'Ukraine commence à prendre les dessus sur la Russie. Sur la Russie, voilà. Poutine est vraiment en difficulté face à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que tous les amis de l'Ukraine ont dit, quand on reconnaît de bons amis, quand on est dans le malheur, et tous les amis de l'Ukraine lui viennent en aide. Les États-Unis, qui disent qu'ils ont des relations privilégiées avec le Congo sous Tshisekedi, voici ce que les États-Unis sont en train de donner à l'Ukraine. L'armement de haut niveau, des radars, des équipes qui sont en train de protéger l'Ukraine aujourd'hui et d'aider Zelensky à occuper des espaces que, déjà occupés par la Russie. C'est ça que feraient ces pays que Fachid, on dirait, on a dit que non, il a plus le temps de tisser de bonnes amitiés avec... Mais personne, pour un petit conflit avec le petit Rwanda, on ne voit même pas un seul pays venir nous apporter. C'est que moi je crois il y a un complot. Nous sommes dans un véritable complot, et ça c'est connu d'ailleurs, c'est pas maintenant que cela me vient en tête, que tout le monde veut l'affaiblissement du Congo. Moi je crois. Absolument. L'affaiblissement du Congo. Mais quand on est dans cette analyse là aussi, on dit tout le monde veut l'affaiblissement du Congo. Moi je suis président du Congo. Je refuse cela. Je refuse cela. Et tu ne vas pas nécessairement en guerre, mais tu mets de garde-fous. Tu formes les hommes. On n'a pas vu un grand recrutement de nos jeunes dans l'armée, par exemple. Parce qu'on se dit maintenant que la première chose que nous devons faire, nous sommes un grand pays convoité par tout le monde, c'est que nous devons avoir ne serait-ce une bonne armée. Recrutement massif. Il n'y a rien de tout ça. Mais quand vous n'envoyez pas ces signaux-là que vous voulez au moins avoir une armée forte, mais tous ces des gens qui vous convoitent, ils continuent à faire leur travail en coulisses. Celui-ci vient à gauche, l'autre vient à droite, et d'autres viennent au devant de vous, comme Sassou Nguesso maintenant, en face de nous, il dit moi aussi, moi aussi. Donc c'est comme si Fachi a tout fait faux. Je ne sais pas. Le problème, c'est quoi? Je crois que vous l'avez déjà pointé en disant que il y a une forme de naïveté que le président croit que cette démarche de montrer que tu peux toujours être avec nous et ça va avancer, c'est ce qui lui retarde. Moi, j'analyse, même si vous dites que tout le monde qui veut la faiblesse du Congo, c'est peut-être dans ces temps ici, même les temps de Joseph ici, on voyait quand même quelques pays, à part le Rwanda, que nous savons que c'était leur patrie ici, sous Joseph. On pouvait entendre en Afrique du Sud, Mozambique, pareil avec Joseph Kabila. Mais alors que Fati, depuis qu'il est venu, on n'entend même pas. Mais pour moi, même l'Érythrée pouvait être avec Fati à ce moment. On n'entend pas. On aurait ne fût-ce qu'un pays qui, au moins, se déciderait de nous envoyer des armes maintenant. Il dit allez à Bounagana. On dit, au moins c'est l'Érythrée qui est en train de combattre aux côtés de forces congolaises. Non, on a cru que ce serait les forces kenyanes, non? Ouroua a arrangé que ce soit une force tampon de la sous-région pour venir maintenant devenir une force tampon. Force tampon? Tampon. Regarde. Tout ça, on le dribble en dernière minute. Alors que quand Fatih a négocié ça, il n'a pas négocié ça en termes de force tampon. Lui n'a négocié pour des forces qui seraient avec le phare d'essai de Boulogne. Il a dit que la force qu'il va brouter dehors. M23.
Donc, vous pouvez comprendre déjà, vous venez à même de signaler cela, que Uhuru, à qui on croyait qu'il était en quelque sorte apparené Fati à son pouvoir, mais dans le cas contraire, ce sont tous ceux qui sont en train de poignarder dans les dos de Fati. Comment expliquer, ne fût-ce pour dire que non, non, même si on doit négocier, fait sortir quand même, mais il va quand même de l'intérêt de mon pouvoir, que une petite rébellion que Fatih a qualifié de terroriste, et vous les laissez, vous les poussez à négocier avec eux. Ça se fait où? Ouais. On pouvait même dire que non, non, nous vous chassons, mais nous demandons maintenant à Fatih quand même de vous considérer aller négocier. On pouvait comprendre. Regarde, c'est ce que j'ai dit que il se retrouve. Je ne vais pas réellement montrer que c'est Fatih seulement, mais je ne vois pas les amis de Fatih. Je regarde au niveau de la communauté internationale. Ouais. En fait, on vient peut-être dire que non, non, mais tel pays, tu as oublié. Regarde ce que tel pays. À part seulement donc des coopérations bilatérales avec les pays où les contrats de signer les minéraux et consorts. Même la Chine. La Chine a toujours donner un peu de position quand il s'agit la Chine du temps de Moussa qui s'opposait, on veut au Conseil de sécurité. Ouais. Ouais. Même ici, ça ne le sent pas. Bien que c'est là où je ne comprends pas. Non, même c'est... la Chine et la Russie avaient des positions claires. Vous attaquez à la RDC et tout ça. Nous sommes derrière lui. Non, peut-être que réfléchissons un peu à contrario aussi. Oui. Si nous avons affirmé, en tout cas, c'est le constat, tout le monde peut le faire, que Fatih réellement n'a pas d'amis dans le monde, surtout ici en Afrique. Ceci pourrait aussi s'expliquer, par exemple, dans le sens que Fatih est venu avec un discours fort, se faisant passer pour un démocrate, se faisant passer pour quelqu'un qui veut le changement, se faisant passer pour quelqu'un qui refuse la corruption. Il vient lutter contre la corruption. C'est vraiment un sang nouveau en Afrique. C'est l'homme qui vient apporter le changement. Je crois que ce signal que Fatih avait envoyé là ne pouvait pas plaire à tous ces vieux loups qu'il a trouvés au pouvoir. Et donc, cela pouvait expliquer que non, peut expliquer aujourd'hui que non. Bon, il est venu avec des prétentions, il connaît, ne connaissant pas encore le terrain, disant que nous, on est les dictateurs. Ça se peut dire ça, non? Nous, on est des dictateurs, nous, on s'est fait réélire autant de fois, nous, on peut faire... Alors, on va l'isoler, on va le voir, comment lui va s'y prendre dans ce pouvoir-là. Comment vous analysez ce pouvoir-là? Dire que non, en fait, Fatih est victime de son propre discours, et les gens l'ont dit, bon, lui, il s'est fait passer pour le plus grand président, l'homme qui va changer l'Afrique, l'homme qui va... donner le signal de la démocratie en Afrique, de la bonne gestion en Afrique, alors nous on l'abandonne et jusqu'à ce qu'il tombe très bas. C'est une certaine analyse. Certains analystes disent ça de Fatih aussi. Que cela ne pouvait jamais faire de Sassou Nguesso son ami. Je ne donne pas assez de poids dans cette analyse. Ouais. Pourquoi? Parce que Fatih venait d'accéder au pouvoir. Presque au même moment où celui qui était avant l'autre de l'Angola. Comment il s'appelle? Le président angolais, Lorenzo. Qui était président avant? Je pense que c'est Fatih. Avant Lorenzo, c'est Santos, non? Non, non, j'ai dit celui qui est accédé à la magistrature suprême du pays, entre Lorenzo et Fatih. Lorenzo, parce que Kabila avait négocié, c'est là où il a donné son OK qu'il quittait le pouvoir, non? Chez Lorenzo. Ah, ok. Tu te souviens? Oui. Tu te souviens? Oui. C'était la dernière rencontre où on attendait. Les Américains avaient délégué Lorenzo et dit bon, de faire lui passer le dernier message. Si il est... C'est là que quand il est revenu de chez Lorenzo, qu'il a nommé votre frère Chadari comme son dauphin. Son dauphin, oui, absolument. Oui, vous avez raison. Mais constatons, qu'est-ce qui s'est passé? Lorenzo était aussi nouveau, ce n'était pas aussi loin. Comment Lorenzo, lui, il a menacé les autres, les Angolais, disent que c'est celui qui a fini président Dos Santos avec sa famille.
il est dit, même si Fatih pouvait avoir ce discours-là, mais regarde, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul jeune président, pas en termes d'âge, en termes c'est de pouvoir. Lui et Lorenzo, c'est presque un peu le même, un peu même âge. Ouais. Pourquoi tous ces gens-là sont là? Mais ils pouvaient faire ne fût-ce que si ils pouvaient ne fût-ce que séduire Lorenzo pour dire que non, ah, nous venons à peine, marquons quand même notre leadership avec un changement de ce qui était avant. On pouvait comprendre. Mais même Lorenzo là et tout le monde là, ils sont toujours à côté. Oui. En Zambie, on venait à peine d'échanger d'autres présidents. Mais sent-on pas que même la Zambie est avec nous, derrière ou mais nous nous disons, moi je ne pense pas que c'est le fait. C'est le fait que le président ne veut pas quand même se positionner. Vous savez, quand vous êtes en train de présider dans un pays qui est tellement confronté, savoir que lui, d'accord, oui, s'allie avec toi. S'il n'est pas d'accord, il se dit non, je ne suis pas avec toi. Sinon, les gens, tout le monde dit, ah, mais non, là-bas, l'autre a fait, il n'y a rien qui est arrivé. Je vais tenter. Ce que nous disons que la politique, ce que l'autre fois, dans l'autre émission, j'avais dit que tu dois revoir sa diplomatie, sa politique. En tout cas, je dois ne fût-ce qu'avoir 4 ou 5. Des 4 véritables amis, vous signez vraiment des accords. Effectivement, Fatih pouvait avoir signer des accords du genre intervention mutuelle. Tu as des problèmes, j'interviens. Ce sont les pays signent ce genre d'accord. Certainement, nous et le Tchad, à l'époque de Mobutu, on avait ce genre d'accord que si j'ai un problème, venez m'aider. Et même des Tchadiens sont aussi venus nous aider à un moment donné. Même les Marocains. Oui. Mais c'est-à-dire que étudier de dire que. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il me faut pour que j'ai ne fût-ce que la fille d'ici, déjà de puissance Nigeria avec moi, afin que j'ai quand même les gens même en Afrique qui, quand il y a un dossier, tout ça. Moi, je crois que c'est cette politique-là qui, jusque-là, ne se fait pas voir dans les chefs de Fatih. De négocier, même au niveau international. Moi, je crois que la Chine pouvait bien prendre parce que Fatih avait envoyé des signaux. Oui. Quand il était, je sais pas, aux États-Unis, il disait que non. Les Chinois, pas avec vos trucs là que vous faites, qui ne sont pas tout ça. Nous sommes d'accord avec tout le monde, mais il a déjà dit que non, les Chinois n'ont pas de meilleure qualité. Peut-être que les Chinois pouvaient être froids en se disant, mais lui nous a déjà. Et si vous regardez, son régime n'a pas encore donné des contrats miniers avec la Chine. Ouais. Les Chinois sont là dans les accords qu'ils ont eu avec. Avec Joseph. Oui. Ouais. Bon, peut-être que c'est là où les Chinois peuvent se dire que nous sommes ouais. Mais là, si c'est pas ça, il faut se demander que ça soit même au niveau de l'Union européenne. Qui je peux quand même se dire qu'il se dit. On croyait Macron qui peut ne fût-ce que s'élever du côté des partis, mais c'est un autre qui est même avec le Rwanda. Il est allé, il a fait une visite officielle avec Trump là-bas au Rwanda, tout ça. Il a fait des déclarations très positives pour le Rwanda. Voilà. Jamais. Au côté du Congo. Au côté du Congo. Il n'a même pas visité. Voilà. Le Congo. Donc, allons un peu, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de ces analyses. Et, oui. Alors, qu'est-ce qui fait défaut alors? Parce que nous avons donc conclu que le président Tshisekedi dit non. On a pensé peut-être que non, d'autres l'ont trouvé gênant. Il est venu avec le discours de la démocratie, le discours de la bonne gestion. Alors, c'est pourquoi on l'isole, on ne veut pas de lui. Mais cela n'est pas valable aux Occidentaux. Les Occidentaux sont là, peut-être ils pouvaient l'accepter, dire, ah, cela c'est notre bon élève, et tout le coup, il va faire la bonne gestion, tout ça. Bon, les Occidentaux. Mais même parmi les Occidentaux, on constate que Fatih n'a pas d'amis. Quand on parle d'amis, c'est lui qui t'assiste pendant le malheur. Voilà. C'est-à-dire, ne serait-ce au niveau d'une déclaration, au niveau des déclarations où, par exemple, la France qui fait une déclaration au Conseil de sécurité dit « Nous, on n'accepte pas ce que le Congo est en train de subir et nous serons prêts à donner des armes au Congo pour taire le M23. » Par exemple, et on voit des armes venant de la France, mais les M23 vont fuir d'eux-mêmes. Et ils savent qu'ils peuvent renforcer le gouvernement congolais, mais ils ne le font pas. Alors, je vous ai senti venir. Donc, il est question peut-être que
que Fatshi leur offre des gisements de ceci. Alors que moi, je crois que le problème n'est peut-être pas à ce niveau. Peut-être qu'ils se disent que non, on se sert déjà. Qu'est-ce qu'il lui va nous donner? Peut-être que le pouvoir de Fatshi est même un boulevard. Que tous ceux-là, les Américains se servent avec notre uranium, avec nos minéraux, les Français aussi, et eux aussi se servent déjà. Donc vous n'avez rien, vous n'êtes plus dans cette position de force-là pour leur proposer que non, j'ai ça. Faisons ça en échange. Vous me soutenez, je vous donne ceci. Imaginez-vous, tous ces gens-là, personne ne vient même provoquer Fatshi et dire, écoutez, si vous voulez ça, donnez-nous ça. C'est parce que peut-être que Fatshi ne contrôle rien, ces gens se servent déjà, et ils se disent, c'est bon, écoutez, nous on ne s'occupe pas de lui, hein, nous on est dans notre politique stratégique, c'est le Rwanda qui est notre pion là-bas, sur le plan géostratégique, nous on roule avec le Rwanda, parce qu'au Congo on se sert déjà. Bon. Je ne sais pas cette analyse, comment tu trouves ça? Moi, je pense, bon, ça fait partie mais, de quelques pays, mais ce n'est pas tous les pays qui se retrouvent dans tout ce qu'on. Je crois très bien que les collaborateurs du Parti des dissidents devraient étudier parmi les grands qu'est-ce qu'ils ont toujours cherché. Nous nous rappelons du temps de Mobutu, si à Kamina il y avait les camps américains, vous trouvez ailleurs là des Belges, vous trouvez les camps français et tout ça. Ce qui faisait que quand il y a des troubles comme ça, tous ces gens se précipitaient à sécuriser leurs intérêts dans les. Alors, peut-être les services du président doivent comprendre ces grands-là. Qu'est-ce qu'on peut leur accorder? Voilà. Parce que quand il y a tout, vous dites que non, nous n'allons pas perdre nos intérêts là-bas. Voilà. Vous ne descendez, vous descendez pas là-bas. L'Amérique ne voulait pas que vous descendez tout près de Kamina. Voilà. Là, il y avait les camps militaires, de stratégie. Yeah. Donc, je crois que son équipe devait étudier toutes ces choses-là et voir même du temps de moto pourquoi l'autre résistait, comment l'autre avait voilà. L'autre. Et ils étudient. Et ils essayent maintenant de charmer ces gens-là, que non, on signe. Moi, je pense que. Ça serait ça la diplomatie. Absolument. Ah, c'est ça la diplomatie. Ce n'est pas le dialogue, les rencontres, je suis venu voir le roi. Mais qu'est-ce que tu as parlé avec le roi de Belge? Qu'est-ce que tu as parlé avec les autorités américaines quand tu es allé aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as parlé avec Macron quand tu as vu Macron? Angela Merkel, qu'est-ce que tu as parlé avec lui? Parce que si Angela Merkel, vous avez dit quand on a parlé une fois, on a fait l'émission pour la reine Elisabeth ici. Quand on a accueilli, la raison pour laquelle la reine Elisabeth avait accueilli Mobutu avec pompe, vous avez dit, avec une chaos. Il y avait une grande raison derrière. Oui. La grande minière de Bakwanga a joué un rôle. De Bakwanga. Vous voyez? Voilà. Si au moins le président pouvait se dire, ouais. Même et dire que non, mais est-ce que vous nous intéressez plus, vous les Anglais, de ouais. Ce soir-là? Je suis prêt à négocier, vous donner. Mobutu a compris que la minière de Bakwanga, maman, prenez ça, prenez cette affaire-là. Mais en échange, personne ne pouvait toucher Mobutu. Personne non, ne pouvait toucher Mobutu. Je ne dis pas seulement l'histoire de minière de Bakwanga. Je ne dis pas seulement parce que je suis en train juste de dire aux gens, suivez. Mais c'est ce qui a coûté Mouzé. Mouzé l'avait dit, même si les gens n'ont pas analysé, quand il avait, lui-même disait que Jonas Moukamba est quelque part en train de prendre son pain et son thé. Pourquoi ça vous intéresse, vous, les Britanniques? Parce que l'ambassadeur britannique l'avait appelé au téléphone, lui dire, Laurent Désiré Kabila, si Jonas Moukamba disparaît, toi aussi on va te tuer. Voilà. Parce qu'il y avait des intérêts de haut niveau. Parce qu'il y avait des intérêts, tu ne touches pas là-bas, tu ne touches pas nos intérêts. Alors, si Fatshi, au lieu seulement d'avoir que non, nous avons les grands, les États-Unis derrière nous, ayez les intérêts des Américains chez toi. Quand ça va barrer, dit que non, mais ils vont venir saboter ce que vous avez laissé ici. Et vite, ils vont dire que nous sécurisons. Dis-lui, hors, c'est loin là. Et si réellement ces gisements que nous sommes en train d'attendre,
pourquoi ne pas les appeler avec un nom? Je vous donne l'essentiel, vous nous construisez un peu des collègues. Par exemple, il y a toujours des accords subsidiaires à côté. Ne pense pas les Congolais refuseraient cela. Parce qu'en fait, les comptes, si ces minéraux sont là, c'est pour ce bien-là. Et nous savons que nous n'avons pas nous-mêmes les moyens de les transformer. On ne peut que faire venir les gens qui sont capables. Et le président peut toujours expliquer cela aux Congolais. Mais jusque-là, il n'a pas séduit. J'ai vu même le président turc, Erdogan, qu'il allait venir investir dans le domaine de l'automobile, truc. Mais il n'a toujours rien fait. Rien n'est fait. C'est-à-dire que peut-être on se choisit qu'ils ne sont pas les bons amis. Mais... du temps de Mobutu, nous, on savait qu'Israël était là. Mais le président Fachi est allé partout. Il est allé chez les Arabes, il est allé à Israël. Mais quand tu vas chez les opposés, mais tu neutralises tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va aller chez les Arabes? Les Israéliens vont dire, bon, écoutez, non, l'homme n'est pas sérieux. Non, on pensait qu'il était devenu notre homme, mais non, il va encore négocier avec les Arabes. Non, moi, je crois que ceci doit servir quand même au service du président de comprendre qu'il doit nous faire sortir de cette position de faiblesse. Pourquoi? Parce le que le Congo a besoin de partenaires, de véritables amis. Nous avons des partenaires forts, avec des accords clairs que venez me protéger, des accords militaires, notamment. Moi, je vous donne ça, mais moi, ce que je veux, parce que j'ai un grand pays et tout. Non, venez. Oui. Venez, dès que j'ai un problème, je veux une assistance militaire. Là, vous justifiez nos accords. Il y aurait des pays qui feraient cela. Je crois que c'est là où Fachi n'est pas arrivé, je crois. Il n'est pas arrivé à ça. Mais on tournerait même Bukangalonzo à un cas, c'est pas moi, belge ou américain, dit prenez ça bas, mais vous entraînez là-bas. Je veux voir celui qui va être tout autour ici, quand vous êtes là. Par exemple. Bon, en tout cas, nous avons poussé notre analyse encore sur la diplomatie. Parce que tout ce que Fachi a fait, je crois qu'il a cru trop à la diplomatie. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question. Ouais. C'était quelle diplomatie Fachi a fait? Quelle diplomatie? On fait la diplomatie pour raffermir, pour créer des amis, pour avoir des amis. Et quand on dit ami, c'est un ami. Ce n'est pas des tièdes comme Sassou Nguesso. Alors nous, on est entouré, on n'a que des tièdes partout. Nous sommes en danger de mort. Personne ne nous assiste. Personne n'écrit même au scandale. Ne serait-ce crier au scandale. Le Congo est en danger. Personne n'écrit au scandale. Tout le monde nous observe. Et seulement dans notre tête, on s'est dit, tel est notre ami. Tel est notre ami. Et le président de la République a dépensé tout un mandat comme ça sans avoir de véritable ami. C'est que le Congo, c'est un pays seul. Alors que tel que nous sommes là, avec nos richesses, nous devions anticiper et dire ce pays ne peut pas être seul. C'est pourquoi aujourd'hui, Kagame est en train, pour revenir à notre sujet, est en train maintenant de jouer ce jeu et dit, écoutez, je suis peut-être loin à l'est, je voudrais m'approcher de plus en plus de Kinshasa parce que moi, c'est le pouvoir de Kinshasa, ça, je ne peux jamais le perdre, je dois savoir ce qui se fait à Kinshasa. Parce que là-bas, même les appareils radars peuvent capter ce que le président Tshisekedi fait sur le plan sécuritaire. Absolument. Il vient seulement, des appareils sophistiqués. Il contrôle même la vie de Tshisekedi. Mais vous venez quand même de soulever un point très capital. Seulement des appareils sophistiqués. Ils savent quand vous allez au lit, quand vous vous réveillez. Quand vous prenez votre voiture pour aller au travail et ce que vous faites, qui est-ce qui vous visite la nuit? Quel est votre votre collaborateur qui fait vos sales besognes? Il vous filme et il vous prend tout. Comme vous avez dit, monsieur Ndambo ici, il gère le satellite et tout ça. Oui. Ils vous prennent des images et puis après, ils vont même un jour vous faire des chantages. Dans votre vie privée. Parce qu'ils ont les images. Oui. Ils sont juste à côté. Parce qu'à partir de Goma là-bas, de Gisenyi, ils ne peuvent pas capter Kinshasa. Mais là, Maluku, là en face de Brazza, sur le plan technologique, on ne devait pas... D'où Kinshasa ne devait pas accepter cet accord que Sassou Nguesso a signé avec,
avec Kagame. Là, vous venez quand même de soulever un point très capital qui fait matière à réflexion. Pourquoi? Ouais. Parce que le monsieur qu'on a donné le marché est spécialiste dans les satellites. Et nous, nous avons quand même une histoire du temps de Mobutu que Congo-Brazzaville avait placé un radar. Et Mobutu avait demandé parmi ses commandos, il dit, mais ce radar-là est en train de guetter Kinshasa. Voilà. Ici. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne connais pas son nom. Un général, je ne sais pas s'il était général, ou qui un commando, il a dit que non, président, autorise-moi, je vais aller prendre cette histoire-là, je te ramène ici. Ouais. À une semaine. Il dit, tu es capable, va faire. Il est allé, il a traversé, il est allé. Un commando, là, et tout. Ouais. Il a amené président, voici. C'est ce que j'avais. On demande, il dit que non. Oubliez votre histoire-là. Mouta dit, oubliez votre histoire. Qui vous a permis d'abord de le pointer? Parce que ça regarde ouais. Kinshasa. Et l'histoire est tombée. Vous savez, maintenant, peut-être que ça intéresse. Maintenant, Denis Sassou Nguesso, ça peut être une matière de non. Ici, je verrai aussi ce que c'est. C'est une façon de contrôler le pouvoir de Kinshasa, de l'extérieur. Voilà. On contrôle le pouvoir de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui dans le monde des technologies, le monde des satellites et autres. Vous croyez que tout ce que vous faites est contrôlé. Vous vous faites contrôler par des gens. Et d'où nous voulons insister que une réaction de Kinshasa devrait se faire attendre. Moi, je crois que Kinshasa devrait réagir, que moi, je ne peux pas accepter que le Rwanda soit en face de moi. Et comme vous, Sassou Nguesso, vous avez accepté, bon, moi, je tire les conséquences. Je tire les conséquences. Mais c'est ce que moi, j'ai entendu quand le président Sassou est venu à Kinshasa, quand le président Patrick l'a invité. Le journaliste l'a bien dit. Il dit que ça serait le temps aussi de parler de ce qui inquiète la plupart des Congolais. De Kinshasa. De Kinshasa. Si les contrats. Est-ce que Fachi s'est même livré à une conférence de presse conjointe avec Sassou Nguesso? Parce que normalement, après cette visite-là, vers la fin, il devait faire une conférence de presse conjointe. Parce qu'on devait éclaircir ce problème. Mais Fachi a préféré laisser ça. Dans l'obscurité de la diplomatie, que j'ai causé avec mon homologue et c'est parti, pas de conférence de presse conjointe parce que les journalistes peuvent poser des questions pour vous faire parler, pour vous faire sortir, même ce que vous ne voulez pas faire sortir. Tout ça, c'est une faiblesse. Non, vous venez encore une fois de plus démontrer la facilité. Une telle rencontre devait terminer par une déclaration conjointe. Où le Congo-Brazzaville déclare et dit non. J'ai signé les accords effectivement avec le Rwanda, mais cela n'a rien à faire avec votre pays. Moi, je m'engage à protéger l'intégrité de Congo-Kinshasa à partir de chez moi, parce que vous êtes un pays ami et tout ça. Au moins, une déclaration, ça ferait déjà une bonne chose. Mais c'est-à-dire qu'on devait donner les Congolais l'occasion au travers les journalistes de poser une question de questions. C'est-à-dire que dans le protocole d'accord, Denis Sassou Nguesso a balayé cela. Il dit non, je ne veux pas que tes gens me posent cette question. Je ne vais pas venir parler. Alors que nous avons toujours cette coutume-là, que quand le président se raconte là, il faut une déclaration. Il faut raconter la presse, dire quelque chose. Et puis, cette question-là serait là. Et puis, on attendrait la réponse de Sassou Nguesso et tout ça. Et quand Sassou Nguesso, non, alors j'ai dit non, pas de médias et autres, je viens. Nous faisons notre théâtre et puis je rentre et tout. Et Fachi laisse faire. Mais tu laisses faire ce qui se fait aujourd'hui. Mais ça aura des répercussions peut-être 3, 4, 5 ans après, quand maintenant ces rendez-vous vont s'implanter. Parce que l'accord est signé. Ils sont là, ils sont à l'œuvre. Ils ont déjà voyagé certainement. Ils sont là en opération. Oui. Ils sont en train de planter leurs satellites. Oui. Ils sont en train de planter des histoires là-bas. Ce n'est pas une affaire d'agriculture. Ils sont en train de planter leur technologie et tout pour braqués sur le Congo. Les jours où ils font l'assaut final sur Kinshasa, ils ont tous les instruments technologiques pour les aider à vous déjouer, même si vous voulez réagir et tout ça. C'est là où j'ai dit que, en termes peut-être de conclusion maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas que, sous le régime du président Tshisekedi, notre pays s'est quand même beaucoup affaibli?
que comparé même à Moïse Kabila ou même à Joseph, parce que Joseph avait des partenaires qui tenaient, parce que Joseph a pu faire 20 ans au pouvoir parce qu'il avait des amis. Oui. Joseph Kabila là. Sinon, oui. Avec les Congolais qui ne l'ont jamais aimé, je crois... À l'Afrique australe, Joseph pesait. Il pesait. Comment Fatih est imposé? Parce que là, les gens de l'UDPS et tout ça, tu vois, à l'IMET là-bas, eux se disent que non, Moukoua Tombolo, c'est les grands diplomates et autres. Moi, je crois qu'ils doivent déjouer. Fatih n'a encore rien réussi parce que le Congo n'a pas d'amis. La diplomatie, c'est chercher à tisser des amitiés. Des amitiés. Vous n'avez pas d'amis. Mais quelle diplomatie vous êtes? Mais c'est seulement à l'IMET où on croit que Fatih fait une diplomatie. En tout cas, nous venons de démontrer que on ne fait pas la diplomatie et on fait la diplomatie pour avoir des amis. Et quand vous prétendez faire la diplomatie et qu'on ne voit pas des amis, c'est un signal fort. On se dit, non, ce type-là, dans sa tête, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que nous sommes dans une analyse. Ouais. On ne peut pas écarter. Nous savons que Kingakati nous a toujours chanté que Kabila, Kozonga, Kozonga, Nebonga, Naï. On a de lui ouvrir la porte un jour. Ah, pas lui ouvrir, mais celui qui est en train de gérer maintenant les contrats qu'ils ont donnés. C'est un collaborateur de Kabila qui l'avait signé les accords pendant son règne. Voilà. Qui sait que il a demandé, comme vous m'avez ouvert un peu les yeux là, intérêt de comprendre que il a dit que non, plantez-moi pour que je sache tout ce qu'il fait là. Voilà. Comme ça, quand je fais l'assaut... Parce que n'oubliez pas, Kabila a ce précédent de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, on l'avait déjà oublié au Congo-Brazza. Il était déjà en dehors du pouvoir. Oui. Lissouba avait géré le pays pendant tout un mandat, je crois. Tout un mandat de 5 ans, 6 ans. Mais Sassou est revenu 5 ans après. Donc Kabila peut à tout moment revenir au pouvoir. Kabila lui-même. Mais on nous chante que toujours c'est le chant de Kingakati. À Kozonga de Bonganaï. Maintenant, on nous met un service de satellite de radar juste là à côté pour préparer l'assaut final de Kabila. Alors, et nous dormons. C'est là où ceux qui croient que nous, on s'attaque beaucoup au président Tshisekedi. Non, je crois que nous, on veut plutôt lui ouvrir l'œil et le bon pour que... Pourquoi tu laisses notre pays devenir la risée du monde? Pourquoi le président Fatih doit laisser ce pays devenir la risée du monde? Voilà comment le président est en train d'exposer le Congo. Nous sommes exposés parce que quelque chose va se tramer à Brazzaville contre nous. Oui, absolument. Mais tout observateur comprendait qu'il y a quelque chose qui se cache. Ça peut se jouer. Si ce n'est même pas dans le cadre des minerais, des mines tombées, ça peut être ce que nous sommes en train de dire que nous voulons savoir maintenant, nous ne sommes pas à mesure maintenant de tout savoir ce qui se passe à Kinshasa. Faire un service juste à l'opposé, comme ça nous allons avoir un radar qui nous montre tel est entré ici, tel est sorti là-bas et tout ça. Nous sommes dans un monde de technologie maintenant. Et cela, c'est comme si ça n'inquiète pas le pouvoir. Parce qu'il n'y a aucun même pas de riposte diplomatique. Même pas de riposte. C'est là où les autres disent, oh, on l'a eu maintenant. Donc, ces accords vont s'établir en bonne et due forme. Et Sassou encore vient encore le faire endormir par la petite visite là. Il dit, n'a pas réagi. Donc, c'est OK. Et mais à Kingakati là-bas, l'homme continue à vous distraire avec sa barbe comme étant un homme dépassé et tout. Dit, oh, il est fini. Mais Sassou Nguesso aussi était parti comme ça, à Brazzaville. Oui. Il est rentré. Un chef militaire comme l'autre. Comme l'autre. Oui. Oui. Mais une grande complicité avec Sassou, parce que s'il a accepté Kagame là-bas, c'est qu'il va accepter Kabila. Et Kabila a des amis sur le plan international. Kabila Joseph a des amis sur le plan international. Comment ça par la Belgique, la fameuse Belgique. Donc. Ils peuvent déclencher la machine que bon, tout est en place, nous avons nos installations à Brazzaville, on contrôle tout, on connaît les mouvements de Tshisekedi maintenant, on l'a dans notre main, et puis on déclenche la chose, c'est fini, et c'est lui-même, le Chine Rambo, qui vient et qui se dit non, la récréation a trop duré,
Maintenant, il va qualifier tout ce que Tshisekedi a fait ici. C'était la récréation. Et lui, il vient terminer la récréation. Là, on a la récréation finie. On rentre maintenant gérer le pays. Le pays a été entre les mains des inaptes et autres. Nous voici. Parce que Kabila ne peut pas pardonner à Fatshi la révolution de palais. C'était la révolution de palais. Hein. Il a nettoyé les hommes de Kabila du pouvoir. Hein. Kabila ne lui pardonne pas ça. Non. Mais peut-être que Fatshi croit que c'est passé. Il croit que c'est passé. Ce n'est pas passé. Bon, donc, nous sommes en train déjà de voir des éventuelles difficultés que cette affaire peut nous amener. Bon, permettez que je vous demande de dire un mot de la fin, un message certainement au président de la République. C'est lui qui est, c'est son pouvoir régalien de nous gérer la diplomatie, de nous gérer les relations avec l'extérieur. C'est vraiment son domaine régalien. Et j'aimerais qu'on termine cette émission avec un message de vous, comme expert ici à iCanal Télé, de parler au chef de l'État. Un message direct au chef de l'État par rapport à ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso et M. Kagame. Et on finira par là. Donc, je m'adresse directement au président de la République pour dire que, en tant que Congolais observateurs, nous réalisons que vous devez chercher à avoir les amis qui vous soutiennent. Peu importe ce que ça peut coûter à la République, parce que vous êtes les premiers citoyens. Donc, en tant qu'institution président, vous n'allez pas défendre les Congolais si vous n'avez pas les moyens de les défendre. Parmi les moyens, c'est d'avoir les amis qui sont prêts la nuit de venir intervenir. Il est temps, même si vous êtes dans une diplomatie de passivité, nous demandons que vous puissiez quand même chercher aussi à faire entendre votre voix au niveau national et que vous êtes interrogé. Parce que si les choses se passent là, c'est de l'insécurité. Quand il y a ce climat de silence, ça crée des substitutions. Les Congolais peuvent croire que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le président est d'accord ou n'est pas d'accord ou bien c'est rien? Alors, ça alimente un climat de substitution que nous ne voulons pas que cela arrive à ce temps. Nous avons assez perdu au Congo, surtout nos leaders, qu'on les a toujours fait partir pendant que les Congolais en ont besoin. Donc, nous voulons que vous regardiez que le président Denis Sassou Nguesso ne s'intéresse pas réellement à ce que les Congolais puisse être dans sa paix. Il est juste dans les protocoles et vous devez aussi réagir dans les protocoles. S'il y a telle chose, suivez les normes diplomatiques qui demandent qu'on exige une explication par rapport à une réalité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est les normes diplomatiques. Et faites-le avec nous. Nous ne voulons pas vivre cette insécurité. Vous êtes tenté de vous battre pour répondre au social de votre peuple, mais vous ne pouvez pas le faire pendant qu'il y a des climats de guerre ou des climats de tensions par-ci par-là. Il est temps. Nous pensons qu'à Brazzaville peut venir encore une grande tension qui peut déstabiliser la capitale. Merci beaucoup. Merci, je crois que le message est passé. Nous n'avons fait que alerter l'opinion, alerter le président lui-même et ses services. Parce que ce qui s'est passé entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda n'est vraiment pas innocent. Ça a été démontré ici. Et donc, il faudrait que le président de la République ouvre son œil et le bon pour essayer d'étouffer cette affaire, de trouver la solution et la bonne pour que demain, qu'il n'y ait pas de grincement des dents au Congo avec, je ne sais pas moi quoi, qui nous viendrait brusquement parce que le terrain a été balisé et on n'a pas réagi à l'époque. Il faudrait qu'on puisse anticiper au lieu de chercher à subir chaque fois. Merci beaucoup, M. Gabi Kitoko, le consultant. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci. Vous avez été très éloquent, comme d'habitude. Et nous vous retrouvons encore prochainement pour une autre émission plein feu. En tout cas, pour ce soir, nous avons fini ici. À la prochaine, donc, M. Gabi Kitoko. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs aussi.